بسم الله الرحمن الرحيم. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم. Que la paix et la bénédiction et la clémence de Dieu soient sur vous. Donc on se retrouve encore une fois pour discuter de la crucifixion. Nous avons déjà commencé à discuter de la crucifixion la semaine mercredi, mais à cause de la connexion internet, on a dû interrompre et reporter ça aujourd'hui. Et je vais vous laisser alors à vous de commencer pour aujourd'hui, pour la première fois. Je vais vous laisser donner votre point de vue sur la crucifixion. Très bien. Ben, on salue aussi les frères, les sœurs chrétiens qui se sont joints à nous et qui vont nous rejoindre certainement aussi par la suite. Dans un premier temps, bonjour frère Gobam aussi. Voilà, on est tous là, on est là pour discuter effectivement de la crucifixion de Jésus-Christ. Nous savons que les frères musulmans ne reconnaissent pas la mort de Jésus. Et nous voulons voir ce soir ensemble dans ce débat qu'est-ce qu'il en est effectivement sur la base des écrits de la Bible. Et certainement le frère va aussi nous montrer des passages certainement au niveau du Coran pour voir un peu qu'est-ce qu'il en est, pour nous situer un peu, pour voir ce que nous reconnaissons ensemble et ce qui quelque part nous amène dans une divergence aussi. Alors pour nous, il est clair que le Seigneur Jésus est arrivé sur terre et il a accompli ce sacrifice parfait puisque c'est le plan de Dieu même pour le salut de tous ceux qui croiront en lui. Voilà, et sur cette base, nous voulons un peu discuter, de voir un peu qu'est-ce qu'il en est. Alors frère, maintenant, je ne sais pas par où tu voulais commencer, mais on peut voir ça ensemble et on peut commencer par une question ou bien peu importe. Ah ouais, c'est comme vous voulez, vous pouvez poser la question ou comme vous voulez. Moi, ça ne me dérange pas. Mmh. Très bien. Gobam, alors je te donne la parole dans un premier temps, là, si tu veux. Ok, c'est magnifique. Que Dieu vous bénisse. La chose qui différencie les chrétiens de tous les autres hommes sur terre qui prétendent être dans une religion où ils ont une relation avec Dieu, c'est que les chrétiens, nous avons la prétention de dire que Dieu s'est manifesté sous une forme humaine et que par son sacrifice sur la croix, il nous a reliés à nous parce qu'on a la conviction qu'il y a eu une cassure, un divorce entre les hommes et Dieu à cause du péché originel, la désobéissance des hommes envers Dieu qui a produit toutes les conséquences néfastes que nous connaissons, dont la mort, la maladie, etc. etc. Donc nous avons la conviction que le Christ est bel et bien celui qui est venu mourir pour nous, qui a donné sa vie, afin que par lui nous puissions maintenant vivre, nous aussi, en Christ, en Dieu, par son esprit. Dans l'Ancien Testament, Dieu a demandé au prophète, en l'occurrence Moïse, de tuer des animaux innocents de façon périodique, chaque année, par les sacrificateurs, afin d'expier les péchés d'Israël. Mais dans les temps du Christ, Dieu réservait un sacrifice plus excellent pour, une fois pour toutes, éradiquer le péché originel et libérer l'homme du péché par Christ de Nazareth. Donc, premièrement, je tiens à préciser que puisque les musulmans et les chrétiens s'entendent sur le fait que l'Ancien Testament est effectivement la parole de Dieu, je ne pense pas que dans l'Ancien Testament, il y ait un débat sur la plume mentionnée des scribes. On doit bien comprendre que Dieu a usé de beaucoup de pédagogie pour petit à petit nous faire comprendre quel était son plan final et définitif. Donc, avant même qu'on arrive au Nouveau Testament, il faut d'abord qu'on s'entende. Il faut qu'on comprenne bien que dans l'Ancien Testament, Dieu a demandé à Moïse d'effectuer des rituels où les animaux étaient tués et où le sang versé servait à expier les péchés d'Israël ou à même purifier les objets du temple. Maintenant, ma question, c'est que quelle est l'opinion islamiste par rapport aux recommandations de Dieu à Moïse dans la loi en ce qui concerne l'expiation des péchés par le sacrifice d'un agneau ou même d'un bouc, etc. etc.
Donc, quelle est votre opinion par rapport à ça? Merci à toi. Avant de répondre à la question, j'aimerais donc répondre à une autre chose. Vous avez dit quelle est l'opinion islamiste? J'aimerais vous préciser que le mot islamiste a une connotation négative et que celle-ci est souvent utilisée pour lorsqu'on parle au sens négatif, genre du terrorisme ou bien du djihad et tout ça, dans ça a une connotation négative. Le bon mot est islam, islamique. Donc, avant ça, c'est ça que j'aimerais préciser. Ensuite, vous avez dit que nous, musulmans, nous acceptons l'Ancien Testament de la Bible, comme étant la parole de Dieu. Et je ne sais pas d'où vous avez lu ceci, mais nous, musulmans, nous n'acceptons pas toute la Bible comme étant la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas admettre que cette Bible soit la parole de Dieu. Concernant donc la Bible, on a différents points de vue, mais je pense que le sujet d'aujourd'hui, ce n'est pas la Bible est-elle réellement la parole de Dieu. On discutera de ceci une autre fois, comme le temps est limité. Donc, on va revenir au péché originel que vous avez mentionné. Le péché originel, nous avons déjà discuté de ceci deux fois. La première fois lors de la divinité, lorsque nous avons discuté de la divinité du Christ, et mercredi, lorsque nous avons commencé la crucifixion du Christ, mais que ça a malheureusement bugué. Et je vous ai mentionné un verset de la Bible, de Ézéchiel chapitre 18, verset 20, dans lequel il est dit: Aucun père ne portera le péché, l'iniquité de son fils, ni le fils ne portera l'iniquité de son père. C'est mentionné dans Ézéchiel chapitre 18, verset 20. Et je me rappelle que le frère Gobamé avait dit que ici, le contexte change la signification du verset. Vous pouvez lire tout le chapitre, ou même si vous voulez tout le livre d'Ézéchiel, et vous verrez que le contexte ne change en nullement la signification de ce verset. Concernant donc le point de vue islamique, nous musulmans, nous acceptons que Adam alayhi salam, Adam paix sur lui, a péché. Nous acceptons ceci. Non seulement Adam a péché, mais Ève aussi a péché. Tous les deux ont péché. Alors que dans le point de vue chrétien, c'est Ève qui a j'ai oublié comment vous dire ceci, qui a donc tenté Adam pour le péché. Nous ne reconnaissons pas ceci. Donc, dans le Coran, le péché est mentionné, mais le fait, après que le péché soit se retourne sur toutes les générations qui suivent, ceci n'est pas du tout mentionné dans le Coran. Nous réfutons ceci. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait clairement dit que chaque enfant qui naît est né maasoum, ça veut dire qu'il est né dans un état sans péché. Je vais vous laisser la parole. Très bien, frère. Ben, concernant ce passage que tu as cité dans Ézéchiel au chapitre 18, là, pour nous, il est clair que là, il est parlé simplement de génération en génération, c'est-à-dire d'une génération donnée sur une autre. Mais là, c'est une approche qui ne définit pas ce qui est le but et le salut par Jésus. C'est-à-dire, c'est vu dans la globalité de ce qui est le péché. Là, c'est le péché qui se transmettrait, par exemple, de génération en génération, d'une génération à une autre, quoi. Et ça fait référence à cela, mais non pas à ce qui est le péché qui est entré dans le monde par le péché, par la désobéissance d'Adam. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Alors, on est d'accord sur ce point-là. Donc, quand l'enfant est né ici sur Terre, il n'est pas né avec le péché. Donc, le péché d'Adam n'est pas, ne retombe pas ici sur les fils d'Adam. On est d'accord là-dessus? Non, Non, on puisse n'est par, pas puisse, puisse, d'accord par, puisse, là-dessus. puisse parler, s'il vous plaît. Je n'ai jamais dit quelque chose d'important parce que, puisque le frère a bel et bien cité un passage de la Bible, il est important qu'on puisse reprendre la Bible pour lui montrer que il y a une antériorité à ce qu'il a dit. Dans le livre de Nombre, je crois au chapitre 14, si je ne me trompe pas, Dieu a dit lui-même qu'il visite les iniquités des pères sur les enfants jusqu'à 3 ou 4e génération. Je n'ai pas le passage en tête, mais c'est dans le livre de Nombre. Il faut qu'on soit clair. Le frère ne peut pas utiliser les passages de la Bible qu'il arrange pour soutenir sa thèse. Ézéchiel est venu bien après la loi de Moïse, des siècles et des siècles bien après. Et lorsque Ézéchiel annonce l'oracle, comme je disais la dernière fois, Ézéchiel annonce la manière à laquelle les choses seront lorsque le Christ sera là. C'est le Christ qui permet que la malédiction de nos pères ne retombe pas sur nous, que ce que nos parents ont fait comme mal ne puisse pas nous affecter si on vient à Christ de Nazareth, car en lui, il n'y a plus de malédiction, en lui, il n'y a pas de condamnation. Donc Dieu parlait, il parlait de la manière prophétique pour annoncer ce temps
où par le Christ de Nazareth, chaque homme sera responsable pour ses iniquités. Chaque homme sera responsable pour ses fautes. Aujourd'hui, comme on l'a dit la dernière fois avec le phénix, lorsqu'un homme commet un péché dans le monde naturel, ça peut arriver que son action puisse avoir des répercussions sur la vie de ses enfants. Donc, les conséquences du péché, et le péché lui-même, peuvent être transmises de génération en génération. Si tu es né dans une famille de voleurs, de fortes chances que tu vas finir par être voleur. Que ce soit spirituel ou pas, mais le milieu affecte beaucoup et celui qui est ton père ou celle qui est ta mère a beaucoup d'influence sur toi, que tu le veuilles ou non. Aujourd'hui, si tu es musulman, je suis sûr que tu dois avoir des parents qui sont musulmans. Tu n'es pas tombé du ciel. Voilà. Donc, tu as été influencé par ton milieu. De même, le péché aussi influence les générations futures. Aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup d'enfants qui naissent, par exemple, avec des maladies incurables, avec des maladies génétiques. Et beaucoup d'enfants qui naissent comme ça sont issus souvent des relations incestueuses. Donc, deux personnes, le frère et la sœur, qui décident de faire l'amour ensemble, auront un enfant qui, à forte chance, aura une maladie héréditaire en lui, génétique, qui est liée au fait que ses parents ont désobéi à Dieu en se multipliant. Donc, il y a des choses qu'on fait qui affectent les gens qui naissent, qui n'ont pas demandé à naître. Est-ce qu'on est d'accord dessus? Que si un frère et une sœur, aujourd'hui, commettent l'inceste, il y a de fortes chances que leur enfant naisse avec des déformités liées au fait que leur sang est trop proche. Ok? Maintenant, l'enfant qui naît, l'enfant, il n'a rien fait de mal. Mais sa vie même est une conséquence d'une action négative. Et s'il souffre, ce n'est pas à cause de lui, c'est à cause de ce que les gens ont fait pour qu'il vienne sur Terre. Donc, c'est très, très lié. On veut dire quoi par là? On veut dire par là que l'humanité est reliée. Nous sommes reliés les uns vers les autres et nous sommes tous reliés à celui par qui la vie a commencé, Adam. Et l'action qu'il a posée aujourd'hui a entraîné une série d'événements et de conséquences. Jusqu'à présent, on se rend compte qu'il y a eu un problème. Maintenant, Christ de Nazareth est la solution qui permet justement de briser cette chaîne, de briser ce cycle de malédiction qui est infligé à des gens innocemment, au-delà de leur volonté, qui n'ont même pas demandé à naître. C'est ça que Christ est venu faire. Venir libérer l'humanité de la faute des autres. Si tu pèches, tu meurs. Si je ne pêche pas, je ne meurs pas. Mais avant, il fut un temps où, si tu péchais, toi et ta famille, vous payez le prix. La preuve, dans la Bible, on dit que lorsque Josué arrivait à la terre promise pour la conquérir, il y a eu un homme qu'on appelait Achan qui a volé des objets interdits. Il a volé de l'or, il a volé, etc., des choses comme ça. Et à cause de lui, Israël a perdu la guerre. Mais la punition d'Achan, c'était que sa vie lui a été ôtée, mais non seulement lui, mais aussi la vie de ses enfants. Sa femme et ses enfants ont été mis à mort sous la main de Josué, par Dieu, qui a voulu que le péché d'Achan retombe non seulement sur lui, mais sur sa famille. Et ce thème revient beaucoup dans la Bible. Donc, si tu me dis que tu n'es pas d'accord avec ce thème bibliquement, il faut qu'on s'entende bien sur les passages qu'on peut prendre ou qu'on ne peut pas prendre. Mais on ne peut pas faire ce jeu où on prend juste les passages qui nous arrangent. Nous, on prend tout dans la globalité. Et voilà, pendant cette globalité-là, on montre qu'il y a une cohérence, il y a une évolution des choses. Tu comprends? Vas-y, à toi la parole. Juste, j'ajouterai une petite chose, frère, avant que tu répondes. Ouais. Est-ce qu'on pourrait prendre un passage dans l'Ancien Testament, puisque c'est ce que vous prenez en compte, comme tu as dit? Non, j'ai dit qu'on ne prend pas l'Ancien Testament en compte. J'ai dit qu'on ne considère pas toute la Bible comme étant la parole non, de Dieu. Non, tu as dit vous ne considérez pas le Nouveau Testament, mais l'Ancien Testament, vous le prenez en compte. Je n'ai jamais dit nous ne considérons pas l'Ancien Testament. J'ai dit nous ne considérons pas la Bible comme étant la parole de Dieu. Ça, c'est... Dis-moi, et alors sur quoi tu voudrais qu'on s'appuie pour parler alors là? Pour parler, vous voulez savoir sur quoi on s'appuie? Sur quoi nous on pourrait s'appuyer pour amener nos arguments? Puisque là, regarde, si maintenant, prends une fois, tu as montré ce passage dans le prophète Ézéchiel, et je voudrais te montrer juste un autre passage. Il s'agit d'Exode. Deux secondes, je vais vous répondre déjà à votre première question, sur quoi est-ce que vous voulez qu'on s'appuie pour parler de ça. Donc, comme j'ai dit, selon vous, la Bible dit que Jésus a été crucifié. Selon nous, selon plutôt le Coran nous dit que Jésus, paix sur lui, n'a pas été crucifié. Alors ici, il y a une comparaison, une étude qui doit être menée entre le Coran et la Bible pour voir qui a raison, qui a tort. Jésus ne peut pas être crucifié et ne pas être crucifié en même temps. Donc il y en a sûrement un qui a menti et l'autre qui n'a pas menti. Maintenant, il faut quelqu'un savoir est dans l'erreur. Simplement, il ne s'agit pas de mentir forcément, mais on va dire quelqu'un est dans l'erreur. Oui, oui. Alors, on va voir ces choses-là ensemble. Tu t'es avancé.
penser sur ce passage d'Ézéchiel. C'est ça que je veux dire. Deux secondes, laissez-moi continuer. Donc maintenant, sur quoi est-ce que vous pouvez vous baser? Vous pouvez vous baser sur le Saint-Coran. Vous citez un verset du Saint-Coran dans lequel il est dit que Adam paie sur lui a péché, ou un seul verset du Saint-Coran qui dit que Jésus paie sur lui est vivant. J'accepterai immédiatement. Je n'essayerai même pas d'argumenter ou de discuter avec vous. Concernant la Bible, je ne considère pas la Bible comme étant la parole de Dieu. Donc, vous pouvez me citer des versets, mais les versets, je ne vais pas les accepter. Alors, pourquoi est-ce que moi, je cite la Bible pour vous? C'est parce que vous acceptez la Bible comme étant la parole de Dieu. Moi, je ne l'accepte pas, mais vous, vous acceptez. Alors, je ne prends pas des passages qui me plaisent. Je prends en compte tout ce qui vient. Donc, je suis d'accord avec vous qu'il y a un passage dans la Bible. Je vais vous-même vous donner les références. Exode chapitre 30, verset 40, chapitre 34, verset 7. Verset 7, aller voir. Oui, exactement. Exode chapitre 34, verset 7. Verset 6 et 7, oui. Pourquoi est-ce que je ne vous ai pas cité ce verset-là? Pourquoi est-ce que je ne vous ai pas cité ce verset-là? Je vous ai plutôt cité Ézéchiel chapitre 18, verset 20, parce que j'ai eu des discussions avec des frères chrétiens, notamment avec une personne âgée de 87 ans qui a étudié la Bible pendant 65 années. Pendant 65 années, il a étudié la Bible. Mm-hmm. J'ai eu une discussion avec lui et il m'a donné cette feuille-là. Une feuille qui s'appelle « La Bible se contredit-elle ?» Et ce passage est mentionné ici. Et il m'a dit, dans la feuille, qu'est-ce qu'il a écrit? On trouve une autre contradiction apparente entre Exode chapitre 34, verset 7 et Ézéchiel chapitre 18, verset 20. Le premier passage affirme que Dieu ferait venir la punition pour la faute des pères sur les fils et sur les petits-fils. Le deuxième déclare qu'aucun fils ne portera aucune part de la culpabilité à cause de la faute du père. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il vous dit que Exode, il évoquait ce que les Israélites subiraient en tant que nation. Ça, c'est votre réponse, ce n'est pas ma réponse. Alors que Ézéchiel, il parlait de la responsabilité individuelle. Ézéchiel parlait de la responsabilité individuelle, tandis que Exode parlait de l'Israël. Donc, en tant que responsabilité individuelle, la Bible, donc, c'est pour ça que j'ai cité ce passage-là, Ézéchiel chapitre 18, puisqu'on parle pour nous et non pas pour ce qui s'est passé pour les Israéliens. C'est pour ça que je vous ai cité ceci. C'est sur base de ce que vos frères chrétiens, vous-même, vous m'avez dit. Ça, c'est sur base de ce que vous m'avez dit. Voilà, je vais vous laisser. Ah, j'aimerais aussi revenir sur un point que le frère Gobamé a cité. Il a dit, il a donné plusieurs exemples. Il y en a un que je m'en rappelle encore. C'était avec le frère et le sœur qui ont commis l'inceste et qui ont un enfant. Est-ce que l'enfant a fait un tort? Est-ce que l'enfant va porter la faute qu'a fait le père et la mère, le frère et le sœur? Non, c'est contre la logique. Qu'est-ce qu'a fait ce petit enfant pour que la faute tombe sur eux? Vous savez, maintenant, lorsque vous rencontrez un athée, j'ai déjà parlé avec énormément d'athées, et lorsque je le dis ceci, ils me disent « Pourquoi est-ce qu'il y a un enfant qui naît handicapé? Pourquoi est-ce qu'il y en a un qui est né comme ceci? Pourquoi tout le monde n'est pas né dans le même pied d'égalité ?» Ça, c'est une des questions qui me répondent. Alors là, vous me dites qu'un enfant qui est né peut être né à cause du péché que son père a commis. Alors, si vous allez et vous essayez de répondre ceci à un frère athée, il ne comprendra jamais. Tandis que la question « Pourquoi est-ce que tout le monde n'est pas né sur le même pied d'égalité ?» ça, vous pouvez le répondre. Mais la question pour laquelle certains sont nés dans le péché à cause du péché que leur père a commis, ça, vous ne pourrez jamais le convaincre de cette réponse. Je vous laisse la parole. Très bien. Et concernant de ce qui sont les actions individuellement parlant, ben effectivement, oui, c'est ces choses-là que se réfère ce passage d'Ézéchiel. Et si on va tenir compte du passage d'Ézéchiel, ben il faudra aussi prendre en compte celui de l'Exode, là justement que tu as cité, effectivement au chapitre 34, hein, versets 6 et 7. Donc là, on voit clairement qu'il y a quelque chose à comprendre. Et ce n'est pas une incohérence, une contradiction, loin de là. Seulement, il faudrait lire le contexte exactement pour situer la pensée de Dieu à ce niveau-là. Donc voilà. En tout cas, le péché est entré dans le monde par la désobéissance d'Adam, puisque nous savons très bien qu'Adam, à partir de là, est devenu mortel, alors qu'en fait, Dieu a créé l'homme parfait au départ et immortel. C'est-à-dire l'homme devait était préparé pour l'éternité déjà dans la condition humaine. Mais il se trouve que par la désobéissance, le péché est entré dans le monde, le péché agit sur la chair. D'ailleurs, c'est pour ces raisons que nous avons vu la dernière fois, que c'est exactement pour ces raisons-là que Dieu a créé des hommes de chair quelque part, pour quelque part nous amener à reconnaître notre faiblesse concernant ce qui est notre choix, quelque part à la base, le choix d'Adam, le choix à ce moment-là, dans la désobéissance, il a choisi de pourvoir lui-même à ses besoins, quelque part, de lui-même de s'occuper de sa vie. Et c'est par ce choix
que le péché est entré, puisque Dieu avait interdit de toucher à ce fruit qui va lui donner la connaissance du bien ou du mal. Et du mal, quoi. Donc voilà, mais après, on va s'embourber en parlant quelque part de ce passage que tu as cité. Je pense qu'il est inutile dans ce qui est notre objectif de voir qu'est-ce qu'il en est de la crucifixion. Bien sûr, c'est pas évident pour nous maintenant de parler avec les frères musulmans en particulier sur ce sujet, puisque effectivement, vous ne reconnaissez pas la mort de Jésus. Donc, il est même difficile de parvenir à discuter et à voir ensemble ce qu'il en est de sa résurrection. Et quelque part même le fondement qui nous amène à réaliser que effectivement c'est le sacrifice parfait que Dieu lui-même attendait par Jésus son Fils. Maintenant, je vois bien que nous avons la même manière de voir les choses, c'est-à-dire, frère musulman, tu ne reconnais pas la Bible en tant que parole de Dieu, et effectivement, moi de mon côté, je ne reconnais pas le Coran comme étant la parole de Dieu, je reconnais la Bible comme étant la parole de Dieu, et il n'y a rien d'autre qui puisse se présenter comme faisant valeur de cet ordre-là. Alors, c'est très bien, mais là, je ne sais pas alors comment on va rentrer dans ce débat et comment on va pouvoir développer, si on va, de ton côté, tu vas t'appuyer sur des versets que je ne reconnais pas, et moi, de mon côté, je vais m'appuyer sur la Bible que je reconnais comme étant la parole de Dieu. Maintenant, on pouvait voir, moi je peux aussi voir des sourates concernant le Coran qui va parler de Jésus comme Messie, qui va parler de Jésus comme la parole de Dieu. Et alors là, nous pourrons voir ça ensemble. Il n'y a pas de problème, on va regarder ça ensemble tout de suite. D'ailleurs, on va prendre la sourate 4 au verset 171. Aïe. Jésus est indiqué là comme étant la parole de Dieu. Alors, si vous voulez bien, on va prendre la sourate 4 au verset 171. Et on va voir ça ensemble. Verset 171, voyons voir ce qui est marqué. Alors ça, c'est dans le Coran. Alors, il est marqué aux gens du livre, ça s'adresse aux chrétiens, n'exagérez pas dans votre religion, ne dites pas d'Allah que la vérité. Le Messie, alors là, il est dit, le Messie Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah, sa parole qu'il envoya à Marie, sa parole. Est un souffle de vie venant de lui, croyez donc en Allah et ses messagers. Ne dites pas trois, et ainsi de suite. Et là, nous voyons qu'effectivement, Jésus est présenté comme la parole de Dieu, souffle de vie de Dieu. Donc, à partir de là, nous pouvons, quelque part, on peut même s'appuyer là-dessus pour réaliser clairement. Et alors, concernant la parole, si vraiment, puisque le Coran le déclare lui-même, là. Alors donc c'est pour vous, musulmans, vous devez le croire que Jésus est effectivement la parole de Dieu. Et s'il est la parole de Dieu, alors il est incréé. Et s'il est incréé, on peut voir par la suite encore une autre sourate qui va nous expliquer qu'effectivement, s'il est incréé, donc il est Dieu. Donc voilà, et on peut voir une autre sourate aussi par rapport à ça, la sourate 16 au verset 40 qui va carrément dire, voilà, la parole de Dieu. Fait référence à Jésus comme étant le Messie. Messie, qu'est-ce que ça veut dire ? Que veut dire Messie ? Messie veut dire loin. Celui qui est loin au-dessus des oints. C'est-à-dire celui qui a une onction particulière. Jésus est mis en évidence par ce titre. Quelque part, il est mis en évidence par Dieu lui-même. Il le met en évidence comme étant un homme particulier. Il n'est pas homme comme tout homme et il est au-dessus des prophètes. À ce titre-là. Voilà, alors, sans maintenant pointer du doigt ni un prophète ni l'autre, mais simplement en tenant compte du fait que ce soit le Coran, reconnaît Jésus comme étant le Messie, la Bible, pour nous, c'est le Messie. Donc voilà, il y a une chose à comprendre là-dedans. Ça va, merci. Merci à toi. Donc, je vais répondre à tout ce que vous avez mentionné. Vous avez parlé énormément, donc. Je vais essayer de répondre à tout ça. Vous avez dit que le Coran mentionne Jésus comme étant la parole de Dieu. Et c'est vrai, le Coran mentionne Jésus comme étant la parole de Dieu dans Sourate An-Nisa, chapitre 4, verset numéro 171.
Et vous avez dit que c'est la seule personne que le Coran mentionne comme étant la parole de Dieu, alors que c'est faux. Le Coran mentionne dans Surat Al-Imran, vous pouvez vérifier, la plupart des chrétiens réussissent à mentionner ce verset-là, Surat An-Nisa, chapitre 4, verset 171, mais ils n'ont pas lu dans le Coran que dans Surat Al-Imran, chapitre 3, le verset 38 et 39, mentionne Jean-Baptiste comme étant la parole de Dieu. Donc vous voyez, dire que Jésus était la parole de Dieu n'est pas un stade qui élève Jésus. Néanmoins, nous croyons que Jésus était un des plus grands messagers de Dieu, mais ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel pour dire que Jésus était la parole de Dieu. Chaque messager était la parole de Dieu. Jean-Baptiste était la parole de Dieu. Ézéchiel était la parole de Dieu. Isaïe était la parole de Dieu. Jésus était la parole de Dieu, Moïse était la parole de Dieu et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était également la parole de Dieu. Donc, si le Coran mentionne dans un endroit que Jésus est la parole de Dieu, ça ne signifie pas clairement qu'il est plus important que les autres, mais le Coran dit également que Jean-Baptiste était la parole de Dieu et ceci pour répondre à vous. Ensuite, vous avez dit que vous avez mentionné, j'ai oublié, je n'ai pas pris note, vous avez dit que donc Jésus était la parole de Dieu et qu'il n'était incréé. Le Coran nulle part dit que Jésus était incréé. Nulle part dans le Coran vous pouvez lire que Jésus était incréé. Et nulle part également dans votre Bible vous pouvez lire que Jésus était incréé. Nulle part il est mentionné ceci. Donc ceci c'est une interprétation que vous faites des Écritures. Je ne sais pas pourquoi vous avez fait cette interprétation, mais nulle part il est dit que Jésus était incréé. Je vais vous laisser alors répondre. La parole de Dieu ne peut pas être créée. Ok, pour commencer d'abord, frère Rohin, il faut qu'on soit clair. Le Coran lui-même indique la particularité de Jésus-Christ de Nazareth. Je sais que les musulmans refusent de croire que Christ est vraiment unique, mais le Coran lui-même le met à une place où on voit qu'il est unique. Dans le Coran, je pense bien que Jésus-Christ est le seul homme qui est né d'une vierge. Je ne pense pas que Mohamed soit une vierge. Ézéchiel non plus, Moïse non plus. Dans la Bible, de tous les prophètes de la Bible, Jésus-Christ est le seul prophète qui a toujours obéi à Dieu. Et je parle bien d'obéissance à Dieu, à 100%. Moïse, lui-même, l'exemple ultime, a servi Dieu, c'est vrai, mais Moïse a péché contre Dieu. Lorsque Moïse n'a pas glorifié Dieu, que Moïse n'a pas honoré Dieu. Et à cause de cela, Moïse n'a pas vu la terre promise. Paix sur lui. Ok. Jean-Baptiste lui-même, hein, qui est venu annoncer le Christ, lui-même était pécheur. Certes, Dieu l'a utilisé, mais lui-même, il a eu des doutes sur Jésus. Il a douté de la parole de Dieu, à un moment donné. Et Abraham, paix sur lui, mais Abraham a montré de l'impatience en écoutant sa femme. Donc, en dépit du fait que Dieu ait utilisé des hommes dans la parole de Dieu, que ce soit dans le Coran, etc., Jésus-Christ est le seul qui a été obéissant à Dieu jusqu'à la mort. Il n'a jamais failli. Donc, le Christ n'est pas comme tout le monde. Il n'est pas comme tout le monde. Et pour aller étape par étape, je dis même qu'au-dessus de tous les prophètes, il est le plus grand des prophètes que la terre n'ait jamais vu. Au moins, ça, je pense que les chrétiens et les musulmans doivent au moins s'entendre sur ça. À la rigueur pour vous les musulmans, que Jésus-Christ est au-dessus de tout le monde. Il est au-dessus de tout le monde. Parce qu'il est parfait, parfait, parfait. Le ministère de Mohamed n'a pas commencé à sa naissance. Mais la Bible nous fait savoir que le Christ, depuis sa naissance, était déjà consacré à Dieu. Les prophètes de Dieu ont reçu des visions par lesquelles Dieu leur a parlé, même Moïse lui-même. Hein, Dieu a paru à Moïse dans le buisson ardent. Tous ont eu un commencement dans leur ministère. Le ministère du Christ a commencé à la naissance. Et le Coran lui-même dit qu'étant bébé, Jésus parlait déjà, il parlait déjà. Étant bébé, hein, le Christ, le Messie, avait déjà la capacité de parler et de dire les merveilles de Allah. Je ne sais pas plus la sourate, mais c'est écrit dans le Coran. Donc, il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrive à être honnête et à reconnaître que le Christ est unique. Maintenant, on peut débattre sur qui il est après, mais il faut d'abord s'entendre sur le fait que le Christ est unique. Unique de tous les prophètes qui ont marché sur la terre, il est unique. Unique, unique, unique. Maintenant, est-ce qu'il est divin? On peut parler de ça après. Mais il faut d'abord que tu nous dises que oui, Jésus-Christ est unique. Après, on peut continuer. Non, à toi la parole.
J'aimerais répondre à tout ce que vous avez dit. J'avais oublié un point concernant le frère Arcangelo qui avait mentionné. Il avait dit que Jésus, paix sur lui, était le Messie selon le Coran. Et il n'a pas tort. Jésus était le Messie. C'est clair et net. Il était le Messie. Il y a différents versets qui le disent. Il y a par exemple dans Sourate An-Nisa, chapitre 4, le verset 171, qui dit: Ya Ahl al-Kitab. La tarlou fi dinikum wa la taqulu ala Allah illa al-haq. Innama al-masiha. Il vous Qui dit veut que dire? il vous dit, ô gens du livre, n'exagérez pas dans votre religion. Jésus, fils de Marie, Jésus, le Messie, fils de Marie, et après, c'est le verset que notre frère avait continué à citer, dans lequel il mentionne que Jésus, paix sur lui, était la parole de Dieu. C'est ce verset-là. Donc, nous reconnaissons que Jésus, paix sur lui, était le miracle. Et nous, comme je vous avais dit, je voulais mentionner ceci de nombreuses fois, nous croyons en Jésus, paix sur lui. Nous croyons qu'il était l'un des plus grands prophètes de Dieu. Nous croyons qu'il était le Messie traduit en Christ, et comme vous l'avez dit, qui signifie oint. Nous croyons qu'il a performé des miracles, qu'il a guéri les lépreux et les aveugles par la permission de Dieu. Nous croyons qu'il était né miraculeusement sans que Marie ait subi l'intervention d'un homme. Nous croyons à tout ceci. Nous allons sur le même chemin. Donc, le deuxième point que vous avez mentionné, c'est que Jésus est unique et j'accepte. Jésus était unique comme moi je suis unique, comme vous êtes unique. Tout le monde est unique. Chaque prophète était unique. Tout le monde est unique. Donc, après, vous avez dit que tous les prophètes ont péché. Nous, les musulmans, nous disons que aucun prophète n'est pécheur. Tous les prophètes ont été pardonnés par Dieu. Tous les prophètes ont été pardonnés. Donc, vous avez dit que Jésus, paix sur lui, n'a pas eu de commencement et qu'il a commencé à parler alors qu'il était encore bébé. Et j'accepte ceci, c'est mentionné dans le Coran, dans Sourate Maryam, chapitre 19. Et c'est vrai, mais le problème, c'est que votre Bible dit que Jésus a commencé son ministère à l'âge de 30 ans, alors que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'avait commencé à 40 ans, Moïse l'avait commencé à 40 ans, mais votre Bible le dit que Jésus, paix sur lui, avait commencé son ministère à l'âge de 30 ans. Alors, est-ce qu'ici c'est une contradiction? Jésus a commencé son ministère à l'âge de 30 ans et qu'il a parlé quand il était bébé. Ceci est un miracle qui a été performé par Dieu, qui a été performé par Jésus, par la permission de Dieu, dans lequel donc Jésus a parlé alors qu'il était au berceau. C'était pour protéger sa mère. Sinon, vous connaissez la loi hébraïque, la loi juive, elle allait se faire lapider pour ce qu'elle avait commis. Donc, c'était pour protéger sa mère, justement. Ok. Alors, très bien, frère. Alors là, on va continuer dans ce sens. Moi, j'ai une On va question à lui poser. continuer J'ai une question à lui juste. poser. Oui? Vas-y, d'accord. Ma question est très simple. Il est évident que d'après le Coran, le Christ est unique, mais pas à la manière que le frère veut nous faire croire, qu'il est unique, que tout le monde est unique. Non. La manière à laquelle Dieu a utilisé Jésus-Christ dans le Coran, dans la Bible, est unique en elle-même. Il n'y a pas de comparaison avec qui que ce soit. Et il faut que le frère arrive à le reconnaître. Ce n'est pas pour diminuer les autres prophètes, mais c'est pour dire la vérité. Dans une classe, il y a toujours un premier. Et je suis désolé, dans le Coran, Jésus-Christ est numéro un. Même si les musulmans refusent de l'accepter, mais c'est la vérité. Et maintenant, ma question, la voici. Pourquoi les musulmans refusent d'écouter la parole de Jésus-Christ dans la Bible, puisqu'ils reconnaissent que Jésus-Christ est le Messie dans le Coran? Pourquoi est-ce qu'il y a maintenant un refus conscient des musulmans d'écouter les paroles de Jésus-Christ dans la Bible? Je ne comprends pas. Donc, il faut qu'ils nous répondent. Oui, alors j'aimerais juste rajouter quelque chose à tous les commentaires du frère là. Rohina, c'est Rohina. Oui. Alors j'aimerais te dire simplement, tu agis d'une manière qui me surprend. Tu avances sur des choses qui me surprennent vraiment. Et là, je vais le démontrer clairement puisque là, nous sommes dans un débat public. Et voilà, je trouve qu'il est important de remettre les choses à leur place. Étant donné que tu t'es avancé dans ce sens, je vais mettre en évidence qu'il y a des choses qui ne vont pas et qui ne sont pas crédibles dans ce que tu avances. Premièrement, nous allons prendre le courant là de nouveau pour voir ensemble qu'est-ce qu'il en est des musulmans, est-ce qu'ils doivent prendre en compte l'Ancien Testament, en particulier la Torah, hein. Alors, on va prendre la sourate 5 au verset 68 et nous lisons. Dit aux gens du livre, vous ne tenez sur rien tant que vous ne vous conformez pas à la Torah et à l'Évangile. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement la Torah. Je dis, ok, j'ai parlé de l'Ancien Testament, mais là, c'est ton Coran, frère, qui dit, vous ne vous conformez pas à la Torah et à l'Évangile et à ce qui vous a été descendu de la part de votre Seigneur.
Moi, je crois que là, effectivement, vous devez comprendre que vous devez prendre en compte la Torah et l'Évangile, les Évangiles. Ça va, merci bien. Donc je vais répondre à tout ceci. Vous avez dit quelque chose d'assez spécial, le frère Gouramé. Où est-ce que dans le Coran il est dit que Jésus, paix sur lui, est unique? J'aimerais que vous me montriez, ne fût-ce qu'un seul verset dans tout le Coran qui dit que Jésus, paix sur lui, est unique. Dans le sens, comme moi je le dis, que Jésus était unique parce qu'il était l'un des plus grands messagers de Dieu et tout ceci, j'accepte. Jésus était unique comme nous sommes tous uniques. Chacun est unique, vous savez. Alors, le deuxième point que vous avez mentionné, c'est pourquoi est-ce que je ne crois pas à la parole de Jésus qui est mentionnée dans la Bible? Et le frère Arcangelo allait sur le même point. Il a mentionné un verset du Coran dans lequel il est dit que dit aux gens du livre que vous ne tenez sur rien. Ça, c'est le verset qu'il a mentionné. Et j'accepte, le Coran donc dit que ils doivent se conformer à la Torah et à l'Évangile. Lorsque nous demandons à nos chers frères chrétiens, est-ce que vous avez la Torah? Ils nous disent oui, c'est dans la Bible, la Pentateuque de Moïse, les cinq premiers livres de la Bible, de l'Ancien Testament. Lorsque nous demandons est-ce que vous avez les évangiles, ils nous disent oui, nous avons quatre évangiles dans le Nouveau Testament, les quatre premiers livres. Lorsque nous leur demandons est-ce que vous avez les psaumes de David, parce que les psaumes de David sont également mentionnés, ils nous disent oui, nous avons tout un chapitre qui est nommé psaume. Nous avons tout ça. Donc, alors il faut analyser ce que dit vraiment la Bible. Vous savez, ça c'est un autre sujet. Le sujet d'aujourd'hui est à la crucifixion de Jésus. Maintenant, on parle de pourquoi est-ce que je ne crois pas à ceci, à la parole de la Bible. Donc, vous savez, ici j'ai là une Bible qui est fortement répandue chez vous parmi les chrétiens. C'est la version tradition œcuménique de la Bible, Tob. Et dans cette Bible, ce n'est pas moi qui lis. Vous savez, généralement quand vous lisez la Bible, vous ne lisez pas la préface. Comme moi je n'aime pas très. Je n'aime pas lire des livres qu'on m'avait forcé de lire à l'école quand j'étais plus jeune. On me forçait de lire des livres pour l'école et je n'aimais pas lire ces livres. Et donc, quand il y avait une préface sur la vie de l'auteur et tout ça, je ne lisais pas. J'aime bien lire tout ce qui est religieux, tous des livres religieux. J'ai déjà lu beaucoup de livres religieux, même écrits par des chrétiens. J'ai déjà lu des livres. Et donc, ici, j'ai lu la préface puisque le travail d'un étudiant en religion comparée, c'est de lire tout ce que dit. Et donc, regardez ce que vous dit. La préface, l'introduction à la Bible, dans la traduction œcuménique de la Bible. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Ce n'est pas mes paroles à moi, c'est la parole de la Bible. Il fait la dernière décision officielle du judaïsme que l'on connaisse et celle des docteurs de la loi. Réunis à Jamnia vers la fin du premier siècle de notre ère, ils reconnurent alors que le Kohélet, le Cantique et Esther étaient eux aussi des livres saints. Qui a reconnu ces livres comme étant des livres saints? Ce sont les Juifs qui ont reconnu ces livres, les docteurs de la loi qui ont reconnu que ceci était la parole de Dieu. Qui a reconnu? Regardez, plus loin, on va même aller, 2 secondes, je retrouve ici le passage. Qu'est-ce qu'il vous dit? On ne possède aucun original des livres de l'Ancien Testament, mais seulement des copies, les manuscrits. Vous n'avez pas l'original de l'Ancien Testament. Et donc, si on revient de l'Ancien Testament comme du Nouveau Testament, tous les deux sont mentionnés ici. Donc, si on analyse l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, l'Ancien Testament est composé de 5 livres. Vous avez la Genèse, l'Exode, les Nombres, le Lévitique et le Deutéronome. Vous prenez le dernier livre de la Bible, le Deutéronome. Vous allez au dernier chapitre, le verset numéro 5. Et vous verrez qu'il est dit que Moïse a été enterré dans le pays de Moab. Qui a dit ceci? Est-ce que c'est Moïse qui a parlé? Alors qu'il était mort à ce moment-là, puisqu'il se faisait enterrer. Est-ce que c'est Moïse qui a parlé? Est-ce que vous dites vraiment que ceci, c'est la Torah, la parole de Ok, Moïse? moi je te réponds maintenant. C'est pas le sujet du jour, mais je te réponds rapidement. Parce que là, c'est un problème de compréhension. Lorsqu'on dit que la Genèse, Lévitique, Nombre et Deutéronome sont des livres de Moïse, c'est-à-dire que Moïse est celui qui a initié le commencement de ce livre. Mais on ne dit pas forcément que c'est lui qui a écrit tout le début à la fin. Comme tu le sais très bien, Dieu utilise plusieurs personnes pour faire aboutir quelque chose. Mais c'est celui qui prend l'initiative première à qui revient souvent le crédit. Tu as plusieurs livres dans ta librairie qui ont été écrits par une personne principalement, on l'appelle l'auteur principal, et ensuite par des contemporains qui ont ajouté à cela des commentaires, etc. Donc effectivement, Moïse ne va pas écrire qu'il est mort, puisque Moïse est mort quand il écrit ça. Donc c'est très simple à comprendre. Hein? Moïse a débuté, Genèse l'a écrit, et des gens ont commenté ce qu'il a écrit. Parce qu'à l'époque, il y avait une tradition écrite par les parchemins, mais aussi orale. Mais c'est tout ça qui fait la parole de Dieu. C'est-à-dire que c'est plusieurs choses qui, lorsqu'elles sont mises ensemble, aboutissent à un résultat final qui est la parole de Dieu. OK? Maintenant, le point le plus important pour nous, c'est de comprendre qu'il
Il y a une pédagogie, il y a un cheminement dans la Torah. Tu sais, il aurait été mieux qu'aujourd'hui on amène un juif débattre avec toi sur les origines de la Torah, pour qu'eux-mêmes ils t'expliquent en détail ce qu'ils entendent hein, par commentaire composé. Parce que même ils le font après, ils l'ont fait bien après. Aujourd'hui on en a le Talmud qui n'est pas la Torah, mais qui est les écrits de plusieurs scribes, de plusieurs pharisiens, de plusieurs rabbins, etc. Donc c'est dans la tradition, voilà comment ça se passe. Quelqu'un écrit le chapitre 1 et l'autre viendra écrire le chapitre 2. Il n'y a pas de problème. Et Dieu tolère ces choses-là. Tu vois? Maintenant, ouais, maintenant le truc qui est important pour juste conclure rapidement, c'est que, comme tu l'as dit, nous, le problème qu'on a avec toi, c'est qu'on te dit qu'on a du mal à débattre la crucifixion de façon objective avec toi parce que tu vas nous dire que tel passage est bon, tel passage est faux. Dans ce genre de cas de figure, comment faire pour débattre avec toi de ce sujet? Parce que si, quand on te montre les passages comme nombre, quand on te montre la Genèse, si au départ tu n'as pas la conviction que c'est la vérité, comment peux-tu comprendre notre point de vue sur la crucifixion du Christ? Parce que pour nous, c'est une suite logique, c'est un cheminement depuis la Genèse jusqu'à Jésus-Christ, c'est une suite logique. Okay? Tu enlèves les éléments, la logique s'écroule et on ne peut pas t'expliquer ça. Je vais juste reprendre la parole. Là, nous avons lu juste auparavant cette sourate qui nous indique, et là, c'est le Coran qui le dit, si vous ne vous appuyez pas sur la Torah, les évangiles, vous ne tenez sur rien. Et si lui, le Coran le dit, ça veut dire le Coran lui-même reconnaît la Torah et les évangiles. Donc frère, de ce fait, tu ne peux pas dire que tu ne reconnaisses pas la parole de Dieu comme étant la Bible, puisque le Coran le reconnaît lui-même. Donc de ce fait, nous devons aller dans cette continuité. Si tu dis que tu ne reconnais pas, alors je ne sais pas. Est-ce qu'il y a plusieurs dénominations? Et certainement, il y a les chiites, les sunnites, au niveau des musulmans, ceux qui reconnaissent telle chose, ceux qui ne reconnaissent pas telle autre. Je suis d'accord. Mais là, il se trouve que là, dans le Coran, à ce niveau-là, il n'y a pas de doute possible. Le Coran fait valoir la Torah, les évangiles, comme étant la parole de Dieu. Je ne vois pas pourquoi tu t'es avancé à dire, et là tu es parti dans une explication de théologie, de reconnaissance de textes anciens. Ça, ce n'est pas mon problème. Ce qui est mon problème, c'est de te voir et d'entendre dire qu'effectivement, le Coran reconnaît la Torah, reconnaît les évangiles, parce que, et même les prophètes, dans la suite logique, reconnaît même les prophètes Ésaïe, Ézéchiel et tous les autres prophètes. Donc, de ce fait, je te demande simplement de reconnaître que là, tu es dans l'erreur en disant que le Coran ne reconnaît pas la Torah, les évangiles, comme étant la parole de Dieu. Puisqu'il dit bien, si on ne s'appuie pas sur ces choses-là, nous ne reposons sur rien. Et effectivement, nous le croyons, nous les premiers. Mais toi, en tant que musulman, déjà, tu dois apprendre et tu dois lire le Coran pour voir effectivement que tu dois tenir compte des anciens textes. Puisque quelque part, on va le voir, ça aussi si tu veux, et on va voir que dans le Coran, il y a 60% de ce qui est des textes anciens, la Torah et tous les écrits des prophètes. Votre prophète s'est appuyé sur les textes anciens. C'est-à-dire, de ce fait, nous voyons clairement, puisque des choses ont été reprises clairement de ces passages de la Torah pour quelque part amener le message de ce qui est de votre prophète. Maintenant, si tu ne reconnais pas ces choses-là, alors là, je crois que le débat est clos, nous ne pouvons pas avancer. Au départ, tu t'avances clairement, tu dis « non, je ne reconnais pas, pas du tout la Bible comme étant la parole de Dieu ». Nous voyons dans ton Coran, le Coran qui vous est adressé à vous, musulmans, et toi, en tant que musulman, tu viens me dire que non, tu ne reconnais pas la Bible. C'est-à-dire, quelque part, tu es en opposition directe avec le prophète qui est le tien, et avec le Coran qui t'annonce ces choses-là. Donc je crois que maintenant, il faut réellement que tu te reprennes. Ou bien tu me dis, tu es musulman et tu reconnais la Torah, tu reconnais les évangiles, et tu prends en compte la parole même dans le Nouveau Testament de ce qui est concernant Jésus, puisque Jésus s'adresse à nous directement par le Nouveau Testament. Jésus s'adresse à tout le monde. Et si maintenant tu dis, tu ne veux pas tenir compte de ces choses-là, quelque part, tu dis d'un côté, tu reconnais Jésus comme étant prophète, comme étant quelqu'un de particulier, comme étant prophète, disons au moins, tout du moins. Alors je crois que tu dois aussi reconnaître que ce que annonce un prophète, cela vient de Dieu. Et si ça vient de Dieu, alors effectivement, il y a tout lieu de se plier à sa parole et de croire dans sa parole. Maintenant, si maintenant on veut parler dans la suite logique de ce qu'est la crucifixion, parlons déjà de ce ministère qui est de Jésus. Alors, qu'est-ce qu'il annonce? Qu'est-ce qu'il dit lui-même de lui-même? Comment il se présente, de quelle manière il se présente,
Et c'est ce que nous voulons voir ensemble. Alors, puisque sinon, si on n'a pas un fondement sur lequel on va baser notre débat, il n'y aura pas de débat, tout simplement. Mais nous voulons que ça soit possible, dans la mesure où chacun sera honnête, c'est-à-dire soit honnête avec le Coran, nous serons honnêtes avec la Bible. Excuse-moi, juste un instant, je veux juste te donner ces précisions. Maintenant, à partir de maintenant, je vais pouvoir m'appuyer sur les textes des évangiles, sur ce que Jésus lui-même a annoncé. Vous parlez de certaines choses des chrétiens qui sont complètement erronées, simplement parce que vous n'avez pas compris les textes. Pour comprendre les textes de ce qui concerne le Nouveau Testament en particulier, il faut être conduit par le Saint-Esprit de Dieu. Ces choses-là, je vais les mettre en évidence clairement, qu'il n'est pas possible de rentrer dans la compréhension des évangiles si nous ne sommes pas conduits par l'Esprit. Laisse-moi répondre, Arcangelo. Et moi, j'ai une question plus rapide. Rowin, si tu dis que la Torah est fausse... Sinon, je vais oublier la question. Vous posez vais oublier tout ce qui a été mentionné. Ok, vas-y, parle. Moi, j'ai une question, je peux oublier pour toi. Vas-y, parle, on t'écoute. D'abord, vous avez parlé donc de quel type de musulman est-ce que je suis. Le Coran dit clairement dans Sourate Ali Imran, chapitre 3, au verset numéro 101, il dit qu'il ne faut pas faire de division dans la religion. Il vous dit clairement. Donc, il n'y a pas de chiites et de sunnites qui existent dans l'islam. Dans le Coran, il n'y a pas de sunnites et de chiites qui existent. Je suis musulman, comme le Coran dit. فَقُلْ أُشْهَدُ بِأَنَّ مُسْلِمُونَ. Appelez-vous musulman, je m'appelle musulman, je suis un musulman. Je n'ai pas d'autre nom, je ne suis ni sunnite, ni chiite, ni autre chose que ce soit. Alors, tu dois croire le Coran. Je crois au Coran. C'est pour ça que je vous ai mentionné un verset du Coran qu'il vous dit qu'il n'y a pas de secte qui existe. Pourquoi en... Très bien. Pourquoi tu ne suis pas alors ce que le Coran t'indique concernant la Torah, les évangiles ? S'il vous plaît, 2 secondes, vous laissez-moi le temps de parler, je vais répondre. Je n'ai pas oublié ce point-là. Donc le Coran, clairement, comme vous avez cité un verset, seulement un seul verset, alors que le Coran contient énormément de versets qui dit de croire à la Torah et l'évangile. Par exemple, Maintenant il faut croire, tu vois ? Oui, maintenant il faut croire. Laissez-moi y répondre, laissez-moi le temps de répondre. S'il vous plaît, n'intervenez pas à chaque fois que je dis quelque chose, juste laissez-moi le temps de répondre. Je vais vous donner même des références. Vous m'avez cité un verset. Si vous voulez, je vous donne toutes les références qui dit qu'il faut croire à la Torah et à l'Évangile. Et je crois à la Torah et à l'Évangile. Je crois à la Torah et à l'Évangile. Le Coran vous dit dans Sourate Ali Imran, chapitre 3, au verset numéro 3, « Nazzala alayka al-kitaba bil-haqq musaddiqan lima bayna yadayya min at-tawrati wal-injil » S'il te plaît, on va parler en français puisque nous sommes dans un débat. Je te demande de parler en français. Oui, oui. Je parle en français pour que tu me comprennes. Nous aimerions aussi te comprendre. C'est parce que je vous mentionne ces versets en arabe pour que moi je puisse repenser à la traduction. Parce que moi je traduis de l'arabe à la... Je n'ai pas fait mes études en français directement, je n'ai pas mémorisé. Ok, va, but, mon frère. En arabe et puis je veux les traduire donc directement. D'accord. Je vous dis, nous avons révélé un livre qui confirme ce qui a été révélé antérieurement à vous, c'est-à-dire la Torah et l'Évangile. Donc je crois à la Torah et à l'Évangile qui a été ramené. Mais c'est ce que j'ai essayé de vous expliquer, malheureusement vous n'avez pas compris. Lorsque nous vous demandons, est-ce que vous avez la Torah ? Vous dites oui, les 5 premiers livres. Est-ce que vous avez les évangiles ? Vous dites oui. Nous croyons à l'évangile de Jésus. Où est l'évangile de Jésus ici ? Vous avez l'évangile selon Jean, l'évangile selon Luc, l'évangile selon Marc, l'évangile selon Matthieu. Vous n'avez même pas l'évangile selon Jésus. Nous ne demandons pas l'évangile selon Jésus, mais nous demandons l'évangile de Jésus. Vous n'avez pas l'évangile selon Jésus. Ça marche. Précision. Le Coran parle des évangiles, parle de l'évangile. Et si tu ne le reçois pas, malheureusement, je dois dire que tu es en contradiction avec le Coran. C'est pas ça. D'un côté, tu dis je crois, et de l'autre côté, tu avances de nouveau, tu dis je ne crois pas. Écoute, c'est très simple. Attends une seconde. Non. On t'a compris. Moi, je vais être au but. J'aurai pas perdu de temps. Rowin, à l'époque où dans le Coran il a été écrit que les musulmans doivent croire à la Torah, à l'évangile, montre-nous où sont exactement ces livres auxquels le Coran faisait référence. Parce que tu es en train de vouloir nous faire croire que les chrétiens aujourd'hui n'ont pas hérité de la vraie Torah et du vrai évangile du Christ. Donc, à quoi est-ce que le prophète faisait allusion lorsqu'il disait aux musulmans « croyez à la Torah et croyez à l'évangile » Dis, montre-nous où est ce livre. Où est ce livre? Et si tu l'as, donne-le-nous. Ce livre-là, vous ne l'avez pas, je ne l'ai pas. Ok, mais comment tu commences? Laissez-moi parler. Non, mais je t'écoute. J'ai donné le passage qui nous indique ces choses. Oui, je n'ai pas dit que vous n'avez pas donné. 2 secondes, laissez-moi, s'il vous plaît, le temps de parler, s'il vous plaît. Oui. On t'a compris entièrement. Ton point est très clair. Ton point, tu nous fais savoir que d'après toi, les chrétiens ne sont pas en possession de la Torah ni de l'Évangile. Oui ou non ? Révélé au prophète. Non, pas loin. Mohamed n'a pas écrit la Torah. Non, il faut qu'on s'entende bien maintenant. Parce que là, on va
terrain qui est très très glissant. Hein? Mohamed a-t-il écrit la Torah, oui ou non? Pardon? Est-ce que Mohamed a écrit la Torah? Non, bien sûr que non. Ok, donc quand Mohamed faisait allusion à la Torah, il parlait de quel livre, s'il te plaît? De quel livre parlait-il? Oui. Il parlait du livre qui a été révélé à Moïse, fait sur lui. Il parlait du livre, par exemple, okay, quand il parle de la Torah, il parle du livre d'accord. Révélé à Moïse, et quand il parle du Coran, il parle du livre. Ok, maintenant, ce livre en question, hein, dont Mohamed faisait allusion, hein, est-ce qu'il est en possession? Est-ce que Mohamed imaginait un livre imaginaire, ou bien Mohamed parlait d'un livre qui était à son époque dans la main des Juifs? Oui ou non? En quoi est-ce que Mohamed faisait allusion lorsqu'il disait que musulmans faisaient confiance à la Torah? Il parlait de quel livre? Un livre imaginaire? Est-ce qu'il parlait d'un livre imaginaire que les gens n'ont jamais vu? Il parlait bel et bien d'un livre, puisqu'il vous demande d'aller prendre référence à un livre. Comment il peut vous envoyer aller prendre référence à un livre que personne n'a jamais vu, que personne n'a jamais lu? Et si les gens l'ont lu, où est-il pour qu'on puisse aller le prendre et débattre dessus? Maintenant, moi j'ai la confusion que quand le prophète du Coran parlait de la Torah, il parlait bel et bien du livre qui était en possession des Juifs au moment où il parlait. Il ne parlait pas d'un livre que les gens ne connaissaient pas. Sinon, comment les gens auraient pu aller voir ce livre si ce livre n'était pas en possession des gens? Donc, il faut qu'on s'entende. Quand il parlait de ça, il parlait bel et bien du livre qui était en possession au moment où il parlait dans la main des chrétiens et la main des Juifs. Il ne parlait pas d'un livre que le personnage n'a jamais connu. Sinon, il aurait dit lui-même que la vraie Torah et le vrai évangile sont inconnus et que les Juifs et les chrétiens ne le connaissent pas et moi, je vais vous le révéler. Mais il n'a pas dit ça. Il a dit « Allez prendre référence dans le livre qui est en ce moment en leur possession. » Maintenant, il faut nous dire, si tu as la conviction sur la Torah, où est-ce qu'il est dit ceci? Ce que vous avez dit, le livre en leur possession. Non, mais vous avez mentionné quelque chose, où est-ce que c'est mentionné ceci? Écoute, Rowin. On ne va pas rentrer dans ce débat. Frère, si vous voulez, on va se concentrer dans ce qui est notre but aujourd'hui. Okay. C'est-à-dire, si vous voulez bien, on va s'arrêter là par rapport à ce sujet, sinon là, on va rester sur place. Là, on va continuer pour aller plus loin. J'aimerais demander au frère Rowin, est-ce que Jean-Baptiste est considéré comme un prophète chez vous? Bien sûr, il est mentionné dans le Coran comme étant Yahya alayhi salam. Bien sûr, puisque nous savons qu'à la fin des temps, dans le Coran, il fait référence aussi à Jean-Baptiste en particulier. Nous allons voir ensemble maintenant un passage, puisque maintenant nous pouvons nous fonder sur ce qui est avancé par les évangiles, puisque le Coran lui-même le reconnaît. On va prendre le passage de Jean, l'évangile de Jean, au chapitre 1er, et verset 29. On va voir ces choses-là ensemble, puisqu'on va se diriger vers la crucifixion, de ce qui en est de la crucifixion de Jésus. Au verset 29, il est indiqué ceci. Le lendemain, en parlant de Jean-Baptiste, là, c'est Jean-Baptiste dont il s'agit là, le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Et nous voyons là, il est stipulé clairement que Jésus est celui par lequel le péché du monde va être retiré. Voilà pourquoi nous appuyons ces choses dans ce sens-là, c'est que Jésus est effectivement venu, et le prophète, tu as dit que Jean-Baptiste est prophète, de ce fait, nous devons, puisque nous sommes là pour débattre, mais aussi pour trouver quelque part nos points communs, puisqu'il y en a certes, donc, mettons-les aussi en évidence, puisque nous ne sommes pas là pour nous opposer, mais aussi, et quelque part, essayer d'avoir un débat constructif, quelque part, que les frères, les sœurs, chacun puisse se retrouver, même ceux qui seraient athées ou ceux qui ne comprendraient pas vraiment ce qu'il en est, de voir exactement ce qu'il en est de ce qui est le christianisme par rapport à ce qui est l'islam. Donc, de ce fait, Jean-Baptiste étant prophète reconnu par les musulmans aussi, par nous-mêmes d'ailleurs aussi, tout à fait, donc il dit, voici Jésus, c'est lui, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. De ce fait, je crois que nous pouvons nous appuyer sur ce passage en particulier que le prophète exprime lui-même à ce moment-là, et nous allons voir par la suite comment Jésus va se révéler aussi sur cette base-là. Dans un premier temps, j'aimerais te demander d'ailleurs d'avoir une réaction par rapport à ce passage, sans rentrer dans des propos de théologie ou de partir à je ne sais pas où, mais de rester un peu dans la continuité pour que tout le monde puisse nous suivre simplement. Merci. Donc, Jean chapitre 1, verset 29, donc dans le verset dans lequel il dit que Jésus est venu pour ôter le péché du monde.
J'accepte si Jésus est venu pour ôter le péché du monde, comme Moïse était venu pour ôter le péché du monde, comme Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était venu pour ôter le péché du monde. Comment? Ah non. Une révélation, 2 secondes, laissez-moi continuer, moi je ne vous interromps pas quand vous parlez, donc laissez-moi s'il vous plaît le temps de répondre à chaque chose. Donc, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu pour ôter les péchés du monde, et comment est-ce qu'il est venu pour ôter le péché du monde? En apportant une révélation qui est le Saint-Coran. Comme Jésus était venu, il a apporté l'évangile pour ôter les péchés du monde, mais il n'a pas un seul verset dans la Bible qui dit que Jésus est venu ôter les péchés du monde par son sang. Jésus n'a jamais dit qu'il est venu lui-même se faire crucifier pour effacer les péchés de l'humanité. Moi, maintenant, pour diriger vraiment la discussion, on n'est pas venu ici pour débattre. Moi, je ne suis pas venu pour débattre. Je suis venu pour discuter avec vous, pour trouver des points communs et pour se mettre sur une même longueur d'onde. Donc, pour retourner à ce sujet qui est de la crucifixion, je vous avais dit la semaine passée, le frère Arcangelo n'était pas là, j'avais dit que le Coran dit clairement dans Sourate An-Nisa, chapitre 4, au verset numéro 157, وقولهم إن قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما سلبوه. Il vous dit et ils disent que nous avons tué le Messie fils de Marie. Ils ne l'ont ni tué ni crucifié. Le Coran est très clair. Il vous dit que vous ne l'avez ni tué ni crucifié. Alors ici entre ces deux livres révélés par Dieu, donc le Coran et la Bible qui a selon vous a été révélée par Dieu, il y a donc une contradiction si on peut dire. Donc, pour analyser ceci, comme j'ai dit, on doit faire une comparaison religieuse. Si on compare donc le Coran et la Bible, il y a un verset que j'aimerais que vous ouvrez, le frère Gobamé et le frère Arcangelo, j'aimerais que vous ouvrez ce passage dans Luc chapitre 24, verset 36. J'aimerais que vous l'ouvrez ceci, si vous avez la Bible avec vous. Et si vous pouvez me dire une fois que c'est fait. Alors, tu disais quel chapitre ? 34, ça n'existe pas. Non, pardon, désolé. C'est Matthieu chapitre 12, verset 38. Ah, d'accord. Matthieu chapitre 12, verset 38. C'est bon? Oui. Donc, qu'est-ce qu'il est dit ici dans ces passages? Il est dit que les Juifs viennent à Jésus et lui demandent un signe, c'est-à-dire un miracle. Il lui demande un miracle. Tout ce que Jésus avait fait ne suffisait pas pour les Juifs. Ils voulaient voir plus, ils en voulaient encore plus. Peut-être ils voulaient voir Jésus marcher sur l'eau ou bien le voir voler dans les ciels, je ne sais pas ce que les Juifs voulaient. Il avait accompli déjà énormément de miracles, mais ceci ne suffisait pas. Donc qu'est-ce que Jésus leur répond? Il dit, une génération de vipères et d'adultères demande un signe, il ne vous sera pas donné d'autre signe que le signe de Jonas. Comme Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, ainsi en sera-t-il pour le Fils de l'homme. Il sera 3 jours et 3 nuits au sein de la terre. C'est correct? Effectivement, tu as tout à fait raison. Laissez-moi continuer, je ne suis pas encore... Oui, mais tu tombes tout le temps, c'est plus aussi. Va droit au but, mon frère, parce que nous sommes... Si tu peux faire court, oui. Je vais aller droit au but. Est-ce que vous connaissez le signe de Jonas? Si vous connaissez, on économisera déjà assez de beaucoup de temps. Est-ce que vous connaissez le signe On connaît. Quelle est ta question? Quel est ton point? Vous connaissez le signe de Jonas? Parfait. Donc, lorsque Jonas fut sur le bateau, est-ce qu'il était vivant ou mort? Répondez-moi à cette question. Vivant. Lorsqu'ils l'ont jeté par-dessus le bateau, était-il vivant ou mort? Vivant. Encore vivant. Encore vivant. Lorsqu'il s'est fait avaler par le poisson, était-il vivant ou mort? Ça, c'est quelque chose qui reste en suspens, puisque quelque part, même à notre niveau, nous avons une compréhension de ceci. Non, vas-y, laisse-le finir. Il a posé une question, frère, je vais juste le dire. Puisque ces trois jours passés dans le ventre du poisson font référence à ce qui ont été les trois jours du Seigneur Jésus passé dans le tombeau. C'est la préfiguration de Jésus dans le tombeau. Juste à ma question, répondez juste à ma question. Lorsqu'il s'est fait... Oui, il était vivant. Va droit au but, il était vivant. Vivant ou mort? Il était aussi vivant. Vous avez dit vivant. C'est vous qui l'avez dit, ce n'est pas moi qui le dis. Vas-y, on écoute maintenant. Maintenant, qu'est-ce que Jésus dit? Comme Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le vent,
ventre du poisson, ainsi en sera-t-il pour le Fils de l'homme. Jésus dit, comme Jonas fut. Comment est-ce que Jonas fut? Il fut vivant, 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 vivant. Oui. Lorsqu'on vous demande comment est-ce que Jésus fut dans la tombe, vous dites qu'il était mort, mort, mort. Qui a non, je parle, c'est vous qui mentez ou c'est Jésus qui a... Amen. Alléluia. Mais non, je te réponds maintenant parce que tu as soulevé un point qui va te montrer une fois de plus que tu as besoin de pouvoir reçoit de révélation pour comprendre. Allez-y, je vous laisse maintenant. La compréhension, elle est très simple. Jonas était vivant, oui, dans le ventre du poisson. Tu as vu Jésus-Christ être avalé par un poisson. Donc, quand tu veux faire des comparaisons... Non, faut pas rire, parce que là, non, c'est sérieux, là. Quand tu veux comparer des passages bibliques et tu compares seulement les points qui t'arrangent, les problèmes commencent. Est-ce que tu as vu Jésus être avalé par un poisson pendant 3 jours? Non. Non, non et non. Pour te dire non, que... Lorsque le Christ prend de telles analogies, c'est pour exprimer une réalité spirituelle qui est profonde. Frère, on va voir ce passage dans Jonas au chapitre 2, verset 2. On va voir ce qu'il en est exactement, oui. Puisque voilà, il fait référence à ça. On comprend le réel. Moi je veux comprendre aux auditeurs qui m'écoutent maintenant que lorsqu'on s'amuse à vouloir interpréter la Bible d'une manière particulière, on va toujours tomber dans des pièges où on ne pourra pas s'en sortir. Alors, quand le Christ parlait de Jonas, tu as bien dit, il a pris l'exemple de Jonas. Le Christ parlait de Jonas qui a été avalé par un poisson. Mais le Christ n'a jamais été avalé par un poisson. Donc, il faut comprendre ce que le Christ disait sur le plan spirituel. Et maintenant, quelle est la signification de l'accusation du Christ sur le plan spirituel? C'était un reflet de ce qui s'est passé dans la vie de Jonas. Et le frère, quand je le vois, va maintenant t'expliquer en détail ce que le Christ voulait dire par là. Ce qui s'est réellement passé sur le plan spirituel. Parce que c'est une métaphore qu'il a utilisée pour illustrer ce qui devait lui arriver. Tout et comme tu le sais, le corps meurt, mais l'âme ne meurt pas. Donc sa conscience, bien que hors de son corps, était toujours animée. Toujours conscience qu'elle est. Donc vas-y frère, explique le truc. Amen. Alors nous prenons au chapitre 2, hein, Jonas au chapitre 2, verset 2, il est écrit, d'ailleurs on va prendre le verset premier pour comprendre. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu. Verset 2, il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Nous pouvons considérer qu'effectivement, Jonas, à ce moment-là, pouvait être mort, pouvait être vivant. Et comme l'explique le frère Gobam, il dit bien clairement que sur le plan spirituel, il faut comprendre les deux situations possibles. Là, effectivement, il appelle du séjour des morts. Il n'appelle pas du séjour des vivants. Je te fais remarquer à ceci. Mais là, bon, là, je trouve encore que tu amènes de nouveau là des explications inutiles pour ce qui est notre direction. Mais en tout cas, il est clair que nous pouvons considérer que Jonas, effectivement, pouvait être mort à ce moment-là, puisqu'il dit « j'appelais du séjour des morts ». Et s'il avait été vivant, on aurait pu dire « oui, ça serait plutôt noté « j'appelais du séjour des vivants » quelque part, j'étais encore vivant ». Mais là, quelque part, il dit « effectivement, oui, j'ai appelé du séjour des morts ». Et je veux considérer que par là, nous pouvons dire « oui, qu'il était mort ». Et comment il appelle, comment il crie à Dieu, comment il l'appelle, comment il prie encore à ce moment-là? Ben effectivement, hein, on sait très bien que l'âme, l'esprit ne meurt pas. Et de ce fait, il invoque Dieu, il appelle Dieu à son secours et il dira « Dieu l'a entendu ». Voilà ce qu'il en est de ce que Jésus, à quoi Jésus fait référence. Et comme je l'ai dit, ces 3 jours passés dans le ventre du poisson sont la préfiguration de ce qui sera Christ dans le tombeau pendant 3 jours. Voilà ce qu'il a parlé, quand il a parlé de miracle, voilà ce qu'il a mis en évidence. C'est tout. Donc, vous avez mentionné déjà plusieurs points. Le frère, la première chose qu'il a dit, c'est « est-ce que Jésus fut avalé par un grand poisson ?» Vous savez, ici, c'est une analogie que Jésus fait. Vous voyez, lorsque moi, je me compare à quelque chose, ce n'est pas parce que je fais la même chose. Vous voyez, c'est une analogie qu'il fait. Comme Jonas fut dans le ventre du grand poisson, et il le dit bien, bien « ainsi en sera-t-il pour le Fils de l'homme au sein de la terre ?» Il le dit très bien. Donc, il compare le ventre du poisson au sein de la terre. Vous avez donc après mentionné Jonas chapitre 2, verset 2, c'est ça? Vous avez dit, donc il dit qu'il était au séjour des morts et donc il était mort. Juste il y a quelques secondes, vous m'avez dit qu'il était vivant, 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 vivant. Maintenant, vous avez changé d'opinion et vous avez dit que non, il est mort. Ça, c'est ce que vous avez fait. Donc, lorsqu'il dit qu'il prie à l'Éternel du séjour des morts, c'est parce que, vous voyez, être dans le ventre d'un poisson, c'est comme si vous étiez mort. C'est comme si vous étiez mort. Mais au contraire, comme vous l'avez dit, il a été recraché. Ça prouve qu'il était vivant dans le ventre du poisson. Et puisqu'il a prié Dieu quand il était dans le ventre du poisson, est-ce que les morts prient? Est-ce que les morts prient pour Dieu? Non, ça prouve qu'il était encore une fois vivant. Donc,
Chaque preuve qu'il donne ici, c'est qu'il était vivant, 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 et non pas mort, 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 comme vous, vous venez de le dire. Mais qu'est-ce que la mort? Qu'est-ce que la mort, Rowan? Tu sais, on a ici un problème de compréhension et de définition. La définition de la mort, qu'est-ce que c'est? La mort, d'après les gens, c'est l'arrêt du cœur. D'autres, c'est l'arrêt du cerveau. Mais nous, on parle sur le plan spirituel, parce que Dieu est esprit, n'est-ce pas? Dieu est vivant, non? Est-ce que tu as vu Dieu avec un cœur et qui respire comme toi et moi? La preuve, le Coran refuse d'accepter que Jésus-Christ est Dieu. Donc, vous êtes d'accord que Dieu est esprit. Mais Dieu est un esprit. Est-ce que Dieu est-il mort? Non. Donc, la mort, selon ta définition, n'est pas ce que tu penses réellement. La mort est un état d'esprit lorsqu'on ne voit pas un corps, mais pas forcément sur le plan physique. Il y a beaucoup, beaucoup de gens de mort. Il y a une mort spirituelle, il y a une mort physique. Oui ou non? Donc, on en arrive maintenant. Le Coran déclare qu'il va tuer dans le feu, etc. Non? Donc, il y a bien une mort spirituelle. Le Christ est mort physiquement, mais est demeuré en vie. Il est descendu dans le sein de la terre pendant 3 jours, vivant d'esprit. Il était conscient de lui-même. C'est ça le point qu'on veut te faire comprendre. Hein? Ça va, donc laisse-moi. Il faut qu'on s'entende bien sur les mots. Donc, on parle, il peut parler d'un plan spirituel. Bon. Puisqu'à propos du contraire, aucun poisson ne l'a avalé. Donc, il ne parlait pas d'un truc terre-à-terre, il parlait sur un plan spirituel. Parce que, comme tu le dis toi-même, le Christ est un prophète, et les prophètes parlent spirituel. J'ai répondu à ce que vous avez dit concernant le ventre du poisson, mais malheureusement, vous n'étiez pas là. Donc maintenant, pour revenir à ce que vous venez de mentionner maintenant, vous voyez dans le livre de la Genèse, le premier livre de la Bible, Dieu dit à, dit à Adam que s'il mange du fruit de l'arbre, il mourra. Or, il n'a pas été mort. Adam n'a pas été mort. Vous êtes d'accord avec moi? Adam n'a pas été mort. Il l'a envoyé, il l'a chassé du paradis. Ah si, Adam... Adam est mort. Attention, Adam est mort. Adam est mort. Quand Dieu parle à Adam, je vais venir. Par exemple, la il est mort. Non, je parle, s'il vous plaît, ne m'interrompez pas. Après, vous aurez le temps de parler. Tu poses des questions, on te répond. Je n'ai pas posé de question. Laisse-le parler. Non, parce qu'il a dit d'accord avec moi. Alors, il n'est pas d'accord avec toi. Tu as posé une question, tu réponds pour apporter ta question. Donc, non, je n'ai pas posé de question. J'ai dit que Dieu a promis à Adam que s'il mangeait du fruit de l'arbre, il mourra. Et puis j'ai dit qu'or, il n'a pas été mort. Ça n'est pas une question, ça. Non, tu as dit, vous êtes d'accord avec moi, on a dit non, il parle d'accord avec toi. C'est ce que tu as dit, non? Vous êtes d'accord avec moi, on a dit non. Non, sur le point qu'il n'a pas été mort, vous devez être d'accord avec moi, puisqu'il était... Justement, on te dit non, il est mort. Laissez-moi continuer. Oui. Après, lorsque je demande donc à mes frères chrétiens, j'ai déjà parlé avec énormément de frères chrétiens, je leur demande comment est-ce que cela se fait? Ils me répondent qu'il a été mort spirituellement, puisqu'il a été chassé du paradis. Ils ont été morts spirituellement. Ça, c'est la réponse que vous me donnez. Il n'a pas été mort physiquement, mais il a été mort spirituellement. C'est pas nous. Précise bien. C'est eux, les gens avec qui tu as parlé, pas nous. Nous, aujourd'hui, tu nous parles, demande-nous, on te donne notre réponse. Donc, il faut que tu fasses la différence entre tes anciens débats et nous maintenant, pour que ce soit équitable et qu'on se comprenne bien. Tu ne veux pas nous débattre pour les choses que les gens t'ont dit dehors, on est entre nous. Pose-nous la question, on te donne notre réponse à nous maintenant. C'est ça mon point avec toi. Je ne veux pas que tu te bases sur ce que d'autres chrétiens t'ont dit. Hein. Base-toi sur ce que nous, on te dit. Donc, tu nous demandes qu'est-ce que nous en pense, on te donne notre réponse et on continue le débat. Ok, allez-y, je vais vous laisser. Alors, répondez seulement alors au signe que Jésus a dit. Jésus a dit qu'il sera vivant. Jésus a dit qu'il sera vivant, vivant, vivant. Vous dites que non, il sera mort, mort, mort. Alors, non, alors très bien. On va voir ces choses-là. Et tu parles du passage où il est. C'est au verset 39. Hein, c'est bien ça. À partir du 38. Oui, 38. Hein. Alors, on va lire ce passage ensemble. « Alors, quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » Il leur répondit, « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. » Il fait référence à quoi, frère, d'après toi? Qui ça? Jésus. En disant dans le sein de la terre, ça veut dire quoi? Il fait référence au tombeau. Ah, très bien. Donc Jésus, il parle de lui là. Oui, bien sûr, il parle de lui. Bien sûr. Qui sera dans le tombeau? Jésus. Bien sûr. Tout à fait. Donc ça veut dire qu'il est mort là à ce moment-là. Non, puisqu'il le dit que comme Jonas fut vivant, 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 c'est vous qui me l'avez dit. Alors, frère, nous avons lu ensemble Jonas, chapitre 2, verset 2. Il appelle Dieu du séjour des morts. Je vous ai répondu à ceci, cher frère, vous ne m'avez pas écouté. Je vous ai dit qu'il appelle Jonas du séjour des morts. Est-ce que les morts prient?
Les morts, si Dieu veut, ils peuvent prier. Puisque là, il est donné cette occasion à Jonas, effectivement. Puisque c'est Dieu, c'est la volonté de Dieu, quelque part, de rétablir ces choses par rapport à Jonas qui lui a désobéi. Donc, Dieu veut le ramener à l'obéissance. Si maintenant tu veux rentrer dans ces choses, on peut y aller. Mais quelque part, Jonas a reçu l'ordre d'aller à Ninive. Il l'a refusé, puisque les Ninivites étaient des ennemis des Hébreux en ce temps-là. Il l'a refusé. Et Dieu l'a quelque part amené dans cette situation pour qu'il le ramène à l'obéissance. C'est-à-dire, Jonas, on peut effectivement dire dans ce passage au verset 2 de ce chapitre de Jonas, à Jonas, on peut dire effectivement qu'il est mort sur le plan de la condition humaine. Mais Dieu lui donne cette opportunité. C'est Dieu qui décide et c'est lui qui le relève. Et quelque part, c'est un miracle. Et Jésus, en faisant référence à ce passage exactement là, il dit que là, il est le miracle. C'est-à-dire Jonas, quelque part, il est mort et il est ressuscité. Le poisson, le crache, lui revient à la vie parce que c'est selon la volonté de Dieu. Et personne ne peut empêcher ça. Mais bon, on ne va pas s'attarder là. Tu peux avoir un autre point de vue. Ce n'est pas un problème. Donc, voilà, je vais revenir là-dessus. Donc, selon vous, Jonas, quand il était sur le bateau, il était vivant. Une fois qu'il a été avalé par le poisson, il était mort. Puis, quand il a été recraché, il est redevenu vivant. Ça veut dire qu'il est-ce que tu crois vraiment que quelqu'un avalé par un poisson peut rester en vie? Est-ce que tu le crois vraiment? Bien sûr. Trois jours dans le ventre d'un poisson, est-ce qu'un homme peut rester vivant? Deux secondes, laissez-moi continuer, s'il vous plaît. Ah, d'accord. N'intervenez pas, s'il vous plaît. Laissez-moi continuer. Je vais venir là-dessus. Donc, c'est que, comme j'ai dit, il est passé une fois par le stade de la mort. Or, la Bible nous dit qu'il est réservé à chaque homme de mourir qu'une seule fois. Alors, Jonas doit être vivant à ce moment-là avec nous aujourd'hui. Non, vous voyez, c'est un miracle qui a été performé par Dieu. Quel est le miracle? Le fait que Jonas soit resté vivant, vous voyez, dans le ventre du poisson, c'est un miracle. Mais s'il meurt, Jonas meurt et... Quel est le miracle là-dedans? Alors pourquoi Jésus fait référence à un miracle? Quel est le miracle sur le fait qu'il se fasse manger par un poisson et qu'il meure? C'est quoi le miracle là-dedans? Expliquez-moi qu'est-ce que c'est le miracle ici. Écoute, le poisson recrache Jonas, Jonas est en vie et il va accomplir la volonté de Dieu par la suite, non? Le truc, tu sais, le frère a dit une phrase terrible là. Il dit quoi? Il a dit qu'il appartient à un homme de vivre une fois de mourir. Ok. Le Coran dit que le Christ, par la main de Dieu, a ramené des gens à la vie. Les gens qui l'ont ramené à la vie, là, ils sont le jour présent. Pardon? Les hommes que le Christ a ressuscité, a ramené à la vie. Ouais. N'est-ce pas? Ils étaient morts, non? Ouais, le Coran, par la main de Allah, ils sont venus à la vie, non? Ouais, bon, ces gens-là que le Christ a ramené à la vie, sont-ils vivants aujourd'hui? Non, bien sûr qu'ils ne le sont pas. Ah, ok. Donc, quand tu disais qu'il appartient à l'homme de mourir une seule fois et puis après c'est fini, à quoi faisais-tu référence? Je ne comprends pas. À quoi faisais-tu allusion? Pardon, je vais y revenir à tout ça. Donc, vous voyez, vous ne m'avez pas répondu déjà sur mon premier point que j'ai mentionné. Non, le problème, c'est qu'ici, on diverge. Le frère Angelo t'a dit lui-même qu'il a la conviction que Jonas était mort, mais qu'en priant, il se joue des morts, il est revenu à la vie. Moi, je te dis que qu'il soit mort ou pas mort, pour moi, ça n'a aucune importance. Parce que la mort a plusieurs définitions. Il y a la mort physique, il y a la mort spirituelle. Maintenant, comment savoir de quoi est-ce que le Christ parlait? C'est très simple. On sait très bien que lorsque le corps meurt, l'âme continue de vivre. Et l'âme va dans le séjour des morts. Le Christ, étant mort, a été enseveli dans le tombeau. Et le tombeau n'est qu'une image de la mort. Et de là-bas, le Christ est revenu vainqueur. Donc, son cœur a arrêté de battre, il ne respirait pas. Pendant 3 jours, inerte, le corps mort, mais l'âme était vivante. Et l'âme faisait quelque chose de particulier. Donc, c'est très simple. Donc, que tu me dises que le Christ était mort par l'esprit, je dirais non. Mais par le corps, je dis oui. Son corps a bel et bien été tué. Les gens, il a été crucifié, il est mort. Son corps s'est arrêté de vivre. C'est tout. Il n'y a rien de plus dedans. Très bien. On va reprendre un peu dans la continuité là où nous étions arrêtés. Le frère Roy nous disait les prophètes, tous les prophètes sont venus pour ôter le péché. Mais le problème, tu peux considérer les choses de cette façon, mais le problème, c'est que ces prophètes n'ont pas accompli leur tâche, alors, n'ont pas réussi dans leur démarche, puisque le péché n'a pas été ôté. Mais Jésus, lui, a réussi. Pourquoi Jésus aurait réussi? Pourquoi les autres n'ont pas réussi? Ben, tout simplement, je peux le dire qu'aujourd'hui, moi, je suis libéré du péché. Libre du péché. Alors, je ne sais pas si tu peux considérer cela, c'est-à-dire... Ceux qui se donnent à Dieu en passant par Jésus, qui reconnaissent, qui confessent le nom de Jésus, qui confessent
manifeste le sacrifice parfait que Jésus a accompli quelque part à ma place, je veux dire, voilà, clairement, je suis, moi, libéré du péché. Et tous les frères, toutes les sœurs qui s'engagent par la foi, et qui confessent le nom de Jésus, sont libérés du péché. C'est-à-dire, en Christ, nous sommes parfaits, parce que Dieu l'a voulu ainsi. Et voilà ce que Jésus, lui, a réussi, ce qu'aucun autre prophète n'est parvenu à faire. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Je vais y répondre. Vous voyez, dans l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 16, au verset numéro 12, il est dit « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. » Vous voyez, il vous dit qu'il a encore beaucoup de choses à vous dire et que vous ne pouvez pas les porter maintenant. Et vous me dites qu'il a fait ce qu'il devait faire. Vous voyez, il vous dit qu'il vous ne pouvez pas les porter maintenant et qu'il a encore beaucoup de choses à faire. Donc, clairement, il n'a pas fait tout ce qu'il voulait. C'est pour ça qu'il y a eu un autre messager qui est venu, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a apporté ici le Coran, le Saint-Coran, qui est venu pour compléter ce que vous dit votre Bible. Donc, non, pas du tout. Tu sais pourquoi? Parce que déjà au départ, tu ne reconnais pas la Bible, comment on reconnaît? Donc, tu ne peux pas prétendre que le Coran complète la Bible. Comment est-ce que le Coran peut compléter un livre qui est falsifié? Ou un livre qui n'est pas complet? Il faut qu'on arrête ça. Okay? Donc, tu ne peux pas en même temps vouloir dire que la Bible est complétée par le Coran, en même temps, tu refuses de croire la Bible comme nous croyons la Bible. Il y a un problème. Maintenant, si tu es capable de me donner la Bible, selon toi, qui n'a aucune faute et qui est la vraie parole de Jésus-Christ, on attend le livre avec impatience. Mais apparemment, il n'y en a pas. Tu comprends? Donc, il faut qu'on s'entende. Quand tu dis la Bible, tu parles de quel livre? Tu parles du livre qu'on entend nous ou bien tu parles d'un livre imaginaire qu'on n'a jamais vu selon toi? Tu parles de quel livre? Le Coran complète quel livre? Ce n'est pas à moi de vous donner la Bible sans faute, c'est à vous de me donner la Bible sans justement, faute. Justement, tu dis que le Coran complète la Bible. Ma question est, le Coran complète quelle Bible? Laquelle? Le Coran complète toute n'importe quelle version de votre Bible. Vous pouvez... Ah bon? Ok, maintenant... Louis II, 21. Okay. La version des témoins de Jéhovah. Quelle version okay. que vous voulez, il est venu pour corriger votre Bible et pour vous okay. dire... Ok, maintenant, regarde, tu vois, Rohin, tu passes de compléter à correction. Attention à tes propos. Tu passes d'une complémentarité à une correction. Il faut qu'on soit clair sur ce que le Coran dit. C'est écrit où dans le Coran que le Coran est venu corriger la Bible? Donne-nous la version officielle du but du Coran. Le Coran est venu compléter ou venu corriger la Bible? Vous savez, je vous ai demandé aussi de me donner énormément de versets. Non. Vous me dites... Vous savez, la première fois que vous m'avez envoyé un message, 2 secondes s'il vous plaît, laissez-moi. La première fois que vous m'avez envoyé un message lorsqu'on voulait discuter donc de la divinité de Jésus, vous avez dit je vous demande de mettre les écritures de côté et de discuter seulement selon la logique. Ça c'est ce que vous m'avez dit. Selon le raisonnement, selon la logique. Vous voyez, ça c'est ce que vous m'avez dit. Et moi je dis qu'il n'était pas possible de discuter de sujets religieux sans avoir recours au Coran et à la Bible. Nous pouvons très bien le faire, puisque en ayant connaissance de certaines choses sur le plan spirituel, nous pouvons discuter de cela sans nous fonder forcément sur des versets, parce que j'ai trouvé qu'il était inutile de le faire, puisque vous n'avez pas reconnu certaines choses. Mais on peut facilement le faire. D'ailleurs, on a fait la démonstration de ces choses. Les musulmans, les frères musulmans ne pouvaient pas répondre à 3 questions essentielles de ce qui est le fondement quelque part et sur lequel nous pourrions nous appuyer. Donc, de ce fait, quelque part, je crois même qu'ils ont appris dans ce sens-là. Et si tu veux, nous pouvons retourner sur ces sujets-là, il n'y a aucun problème. Puisque toi-même, je ne pense pas que tu aies d'autres réponses, mais nous avons pu le faire. Il est possible de le faire, puisque nous sommes guidés par le Saint-Esprit qui nous indique clairement les vérités et qui nous révèle des choses. C'est-à-dire, nous, à un moment donné, si tu veux que je te montre clairement sur quoi je vais m'appuyer dans le passage biblique, cela est tout à fait possible. Mais maintenant, je peux m'avancer sur la base de ce qui est quelque part une révélation par le Saint-Esprit. Comprenons-nous bien, les textes concernant le christianisme ne sont accessibles qu'à ceux qui ont le Saint-Esprit pour guide. Et d'ailleurs, je peux le montrer, je peux m'appuyer sur des passages bibliques, puisque quelque part, même Jésus lui-même dira pourquoi il parle en parabole, pourquoi il ne révèle pas clairement qui il est, de dire « voilà, je suis ça et ça et ça ». Non, il ne le fait pas, puisqu'il se tient dans une telle humilité qu'il voudra même pas s'aventurer dans ces choses-là, mais il va dire simplement à ses disciples, il va leur dire « à vous, il vous a été donné de connaître les mystères de ces choses-là. » C'est-à-dire, voilà ce qu'il faut comprendre. Dieu l'a voulu dans sa grande science, il a voulu que l'accès au salut ne soit pas par l'intelligence, comme les musulmans prétendent que c'est,
parce qu'il faut raisonner, il faut savoir de quoi on parle. Non, je ne crois pas. Il faut vraiment, et comme je l'ai dit lors de ce débat auquel tu fais référence, il est utile pour l'homme de s'approcher de Dieu selon le cœur, avec un cœur ouvert et disposé à recevoir la vérité. Simplement, frère, crois-moi, il est préférable pour chacun de nous de devenir fou, comme Jésus l'a dit. Je suis venu pour que ceux qui voient soient aveugles et que ceux qui ne voient pas puissent voir. Et qu'est-ce que Jésus veut dire par là? Simplement ce qu'il veut dire. C'est-à-dire, si par l'intelligence, vous essayez d'accéder à ce qui est la connaissance spirituelle et de recevoir la vérité, c'est impossible par l'intelligence. Intellectuellement parlant, il n'y a pas d'accès possible au salut. Et Dieu l'a fait ainsi, pourquoi? Simplement pour bien montrer qu'il n'est pas possible d'agir de cette façon, sinon il n'y aurait pas une égalité dans ce sens-là. Ce qui est donné de Dieu, c'est la foi. La foi se reçoit par rapport à ce qu'on entend de la parole de Dieu, c'est-à-dire la vérité. Et cette vérité-là se reçoit avec un cœur disposé à la vérité. Ça va, vous avez deux secondes. Vous m'avez dit que vous avez posé trois questions. Je ne sais pas à qui vous avez posé vos trois questions et qu'ils n'ont pas réussi à répondre à vos trois questions. Comme le frère Gobamé a dit, eux, ce n'est pas moi. Vous pouvez me poser vos trois questions juste après, une fois que j'aurai terminé de parler. Vous pouvez me poser les trois questions. Et si j'ai la capacité et que mes études ont suffi pour répondre à vos trois questions, j'essaierai de répondre. Mais si je n'ai pas les réponses, voilà, ça en sera ainsi. Mais vous pourrez me poser vos trois questions comme vous, si vous, après, juste après. Donc, on avait discuté de ça avec le frère Gobamé, juste quand on avait parlé. Je pense que le frère Gobamé était absent et que c'était le disciple du Christ qui était présent à ce moment-là. Donc, du fait d'avoir le Saint-Esprit, et donc que vous avez le Saint-Esprit et que vous parlez avec le Saint-Esprit. Vous savez, ici, tous les chrétiens du monde disent avoir le Saint-Esprit. Tous les chrétiens disent « j'ai le Saint-Esprit, j'ai le Saint-Esprit, j'ai le Saint-Esprit ». Tous. Quelle est ta question? Va au but. Deux secondes, laissez-moi s'il vous plaît, laissez-moi le temps de parler. Donc, vous dites tous que vous avez le Saint-Esprit. Le même Saint-Esprit, vous l'avez tous. Vous avez le même Saint-Esprit et le frère Arcangelo a le même. Or, même ici, on a pu voir que vous avez des avis différents. Vous avez dit qu'il soit mort ou qu'il soit vivant, ce n'est pas grave. Le frère Arcangelo dit qu'il était mort. Vous avez même ici des avis différents. Dans le monde chrétien, certains considèrent Jésus comme étant Dieu, certains le considèrent comme étant prophète. Certains, il y a différents avis. Il y a certains qui considèrent même la mère de Jésus comme étant Dieu. Vous savez, tout le monde a le Saint-Esprit, tout le monde est guidé par le Saint-Esprit, par le même Saint-Esprit, mais il vous amène vers des chemins différents. Il y en a un qui considère Jésus comme étant Dieu, or le Saint-Esprit ne sait pas lui dire que non, Jésus n'est pas Dieu, ou bien lui dire que si, Jésus est Dieu. L'autre, celui qui dit qu'il croit que Jésus n'est pas Dieu, il a le même Saint-Esprit et il ne dit pas la même chose que ce qu'il dit. Quelle est ta question, frère? T'écoutes depuis longtemps, pose la question. Parce que il faut qu'on ait une façon logique pour pouvoir répondre au point clé. Pose la question, te réponds. S'il vous plaît, laissez-moi le temps de parler. Moi, je n'interviens pas quand lorsque. Je ne vous arrête pas comme ça, parce qu'une fois que vous arrêtez, après, j'oublie ce que vous avez mentionné. On doit aller étape par étape, pas des questions. On ne peut pas juste dire les choses que vous voulez dire. Il faut qu'on ait logiquement. Dis-nous, où est-ce que tu nous amènes pour qu'on puisse te répondre? Je vais venir, s'il vous plaît, laissez-moi le temps de parler. Donc, vous avez le même Saint-Esprit qui vous guide vers des chemins différents, comme ici dans la Bible. On peut voir, selon vous, ce que vous avez dit, c'est que les auteurs de la Bible sont inspirés par Dieu, par le Saint-Esprit. Ils sont inspirés et ils ont écrit. Vous savez, ils sont inspirés par le Saint-Esprit. Le même Saint-Esprit, celui qui a écrit le livre d'Ezra et celui qui a écrit le livre de Néhémie, sont inspirés par le même Saint-Esprit, mais ils se contredisent et il n'y a pas moins de 20 contradictions. Je peux vous les montrer immédiatement, si vous voulez, je vous fais Rowan, pour que le débat soit constructif, il faut arrêter de faire des diatribes sur la Bible ou bien le Coran. Nous, on veut aller au point clé, on veut que tu poses des questions clés, qu'on te donne les réponses clés. Si tu passes une heure en train de nous raconter des trucs... Oui, non, on ne va pas discuter de ce qui est des textes maintenant. Va droit au but. On est là avec toi. Non, arrête tout ça maintenant. Ah, quand je suis chrétien, je suis chrétien. Pose-moi une question. Demande-nous pourquoi est-ce qu'il y a un semblant de contradiction parmi les chrétiens. Va au but. Pour qu'on puisse donner des réponses. Pose des questions. Va droit au but. Parce que tout ce que tu dis là, je comprends tout ça. On connaît les arguments. Les musulmans dans le chrétien, on connaît tout ça. Mais toi maintenant, quelle est ta question? Et on va la répondre maintenant. Jésus a bien fait référence à ce qui est sa mort lors de ses trois jours passés dans le tombeau, et il va parler de Jonas par rapport à ça. Maintenant, on va continuer dans ces choses-là, si c'est possible. Allez-y, parce que vous allez dans un autre. Moi, j'ai perdu le fil avec... C'est pas perdre le fil. Tu sais, quand on fait des vidéos pour évangéliser... Vous êtes en train de discuter, vous
dit quelque chose, puis le frère vient et il a dit autre chose. Justement, mais pour regarder les choses, il faut aussi qu'on arrête. D'aller dans les sorties d'autoroute, ça devient difficile à chaque fois. Non, c'est très simple. On a dit avant le débat qu'on devait agir par question-réponse dans des points clés. On n'est pas là pour évangéliser. Nous, depuis qu'on parle, tu ne vois pas en train d'évangéliser Jésus-Christ ici. On est en train de défendre notre foi par des points clés que tu soumets à notre compréhension et qu'on répond. On n'est pas en train de faire un évangile sur Jésus. On est en train de te répondre aux questions que tu as sur notre foi. Maintenant, si tu veux qu'on avance dans les débats, pose une question qui te semble comme des points illogiques dans les chrétiens. On te répond. Mais tu ne vas pas lui faire un exposé sur des choses qu'on connaît déjà nous-mêmes. Quand tu dis que la Bible est contradiction, pose une question. Prends les contradictions de la Bible spécifique et pose une question par rapport à ça. On te répond. C'est tout. Tu as l'occasion de pouvoir nous avoir maintenant disponible pour te répondre sur les points que toi tu penses être des contradictions ou les points qui tu penses comme qui ont les zones d'ombre. Donc on est là disponible à te répondre sur ces points clés. Et nous on fera pareil avec toi. Donc non, ne parlons pas le temps dans les longs exposés. Dis-nous clairement ce que tu comprends, on t'explique. Il y a les questions qui te troublent, on débat dessus. Non, les contradictions de la Bible, ce n'était pas mon point. Mon point sur lequel je voulais insister, c'est que vous avez le même Saint-Esprit qui vous guide vers des chemins différents. Ça, c'était le point que j'ai voulu vous expliquer. J'ai pris plusieurs exemples, notamment les personnes qui ont écrit la Bible, les différents auteurs qui ont écrit la Bible. Vous avez le même Saint-Esprit qui vous guide vers des chemins différents. Alors, s'il vous plaît, le fait de dire que j'ai le Saint-Esprit et que la Bible est accessible seulement pour les gens et qu'il ne faut pas faire intervenir l'intellectuel... Ok, maintenant, je vais te répondre à quelque chose qui est utile. Parce que tu refuses de poser la question, moi, non, je la pose pour toi maintenant à ta place, parce qu'on ne va pas perdre du temps ici. La question, c'est que pourquoi est-ce que les chrétiens n'ont pas une cohésion au niveau de tout ce qu'ils disent, tout ce qu'ils font, puisque les chrétiens disent qu'ils ont le même esprit. Voilà comment on peut débattre bien. Il faut que tu ailles jusqu'au bout. Il n'y a pas de problème. On te répond maintenant. Est-ce qu'on peut te répondre à cette question que tu poses maintenant? Allez-y, je vous laisse le temps. Ok, moi je donne ma réponse, et ma réponse, ce sera différent, parce que justement, la réponse que je donne, tout sera clair maintenant. Dans le christianisme, il y a ce qu'on appelle la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est lorsqu'on donne sa vie à Christ et qu'on reçoit son esprit. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la croissance spirituelle. Tous les chrétiens du monde entier ne sont pas tous au même niveau de croissance spirituelle et de compréhension. La marche chrétienne est une marche. C'est comme à l'école. Tu as des classes de 6e, tu as des classes de terminale. Et plus le chrétien se rapproche de Dieu, plus Dieu l'amène à avoir les vraies convictions. Du coup, Dieu ne donne pas tout. La preuve, la Bible elle-même déclare, comme tu as dit tantôt, précédemment avec le Christ, que j'ai des choses à vous dire, si vous dites tout, vous n'allez pas tenir. Voilà. Donc le Christ lui-même sait bien qu'il y a un temps pour révéler aux hommes des choses au fur et à mesure. Un bébé ne peut pas connaître autant qu'un ancien. Toi-même, tu as eu le courant, il a bien fallu que tu étudies pour le connaître. Ne me dis pas que le jour même, tu as tout connu, vrai ou faux. Et je suis convaincu sur terre qu'il n'y a pas deux musulmans qui sont d'accord sur tous les points. Donc il faut qu'on arrête ça. Tout ce qui est spirituel, il n'y a pas deux personnes sur terre qui ont exactement, mot pour mot, verset pour verset, les mêmes convictions. Il y a des points que Ahmed Guida divergeait de Zaki Nafir. Je suis désolé. Aujourd'hui, dans l'islam, il y a aussi beaucoup de courants où les gens divergent. Mais il y a une seule chose qui est commune avec tous les chrétiens de la terre, c'est que le salut s'obtient par Christ. Voilà la base de la chrétienté. Maintenant, dans les détails, on peut diverger. Et c'est normal qu'on diverge parce que tout le monde est dans sa marche particulière avec Christ. On n'a pas tous été convaincus le même jour, on n'a pas tous la même expérience, et ces choses-là contribuent à nous bâtir. La vie chrétienne est un chemin. Et dans le chemin, chacun avance selon sa vitesse. Dans ta classe, tout le monde a 20 sur 20. Non, des gens ont 10, des gens ont 15. Donc l'Esprit de Dieu prend chacun où il est, et l'Esprit de Dieu au fur et à mesure bâtit. Mais à la fin, je te garantis que pour tous ceux qui ont Christ Nazareth en eux, on arrive tous aux mêmes conclusions. Ça va, donc laissez-moi, s'il vous plaît. Voilà. Ça peut prendre des années pour les gens, des jours, mais à la fin, la journée, dans les points essentiels, tous les enfants de Dieu, les vrais, arrivent à la conscience. Le monde qui va à l'église n'est pas chrétien. Laissez-moi. Voilà. Donc vous avez dit qu'il y a différents stades, il y a une croissance qui se fait, et donc il y a certains qui sont faibles dans la croissance, certains qui sont beaucoup plus élevés. Vous savez, parmi les gens qui viennent ici, qui naissent ici, donc ils ont une croissance faible, comme vous l'avez dit, et puis ils commencent à grandir. Mais il n'y a pas différents chemins qui existent pour aller vers Dieu. Il n'y a pas différents. Ce n'est pas possible qu'une personne considère toute sa vie Jésus comme étant fils de Dieu et dans un autre moment qu'il y en a un autre qui considère Jésus comme étant Dieu. Vous voyez, ça c'est deux chemins opposés. Et même si vous êtes en train de grandir, ces deux chemins ne se rejoindront jamais. Vous savez, il y a quelqu'un, une personne ici que je connais, qui était chrétien et catholique et qui est maintenant devenu témoin de Jéhovah. Maintenant, essayez de l'inviter à devenir un chrétien catholique à nouveau, il ne va jamais accepter. C'est, comme vous avez dit, il a eu sa croissance spirituelle qui l'a mené vers un autre chemin. Vous savez,
Lorsque quelqu'un a une croissance spirituelle, c'est à la fin, vous ne rejoignez pas sur le même point. Je t'assure que quiconque... Non, faut clarifier. Hein. C'est pas parce qu'on va à l'église qu'on est chrétien. Non, faut qu'on soit clair dessus. On le dit clairement, haut et fort, hein, il n'y a pas un détecteur de chrétiens sur terre. Dieu seul connaît qui est vraiment son enfant et quiconque qui a vraiment reçu son esprit. Alors, tous ceux qui ont reçu l'esprit de Dieu. Alors peut-être que vous n'avez pas l'esprit saint. Écoute, je dis que la naissance du chrétien, il n'y a qu'un seul sauveur, un seul Christ. Beaucoup de gens prétendent être chrétiens, ils ne le sont pas. De même qu'il y a beaucoup de musulmans qui ne sont pas chrétiens, qui ne le sont pas. Dis-moi, quand les musulmans prennent des bombes exploses, c'est des musulmans, on dira que non, ce n'est pas des bons musulmans, non? Donc de même, dans toutes les régions du monde, il y a des vrais chrétiens, il y a des faux chrétiens. C'est comme toi, dans l'islam, il y a des faux musulmans et des vrais musulmans, vrai ou faux. Donc, il faut qu'on s'entende bien. On te prend pas de ceux qui ont vraiment donné leur vie à Christ, tôt ou tard. Oui, il faut. Même alors, je vous pose encore une autre question. Excusez-moi, juste un instant. Juste un instant. Effectivement, voilà, c'est vrai. Là, quelque part, il s'agira de notre consécration. Le niveau de notre consécration, de ce qui sera quelque part une approche et de ce que nous vivons concrètement et en réalité sur le plan spirituel, qui va quelque part nous amener à une connaissance et à des choses importantes. Ou non, suivant la consécration, simplement. D'ailleurs, toi-même, frère Rowin, tu as pris précaution de nous expliquer ce qu'il en est des islamistes. Et effectivement, oui, ça a une connotation négative par rapport à ça. Et donc, c'est vrai que certaines personnes vont interpréter d'une façon erronée aussi. Certaines personnes vont s'engager dans des voies qui ne sont pas les voies de Dieu en se prétendant d'une croyance, d'une foi, et effectivement, il y a lieu de tenir compte de cela. Mais nous n'allons pas parler de ces choses-là, nous parlons des vraies personnes, de ceux qui sont vrais en Dieu, qui se sont vraiment avancés vers Dieu, simplement dans une sensibilité au départ spirituelle, qui sont arrivés par la foi et qui sont arrivés à croire quoi. Nous allons voir juste un petit passage, je vais m'appuyer un peu sur un passage que j'ai voulu voir un peu avec vous. Il s'agit de ce passage, cette lettre adressée aux Romains par l'apôtre Paul au chapitre 10, le verset 9. Comme ça, nous allons garder notre objectif, parler de la crucifixion en elle-même, pour voir un peu, pour situer ces choses-là, parce que c'est là l'importance. Romains chapitre 10, verset 9, voici ce qui est marqué. « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Voilà la base de réflexion, frère. Rowin, si tu veux bien, on va partir là-dessus. Bon, les gars, moi, je vous laisse. Hein. Dieu vous protège, Dieu vous garde. Je vais faire un truc rapidement, là. Donc, on se parle après, alors. Pas de problème. Dieu vous protège. Salut. Très bien, à plus tard, frère. Bon. Ça va. Donc, vous avez cité un verset de Romains. Je n'ai rien à dire là-dessus. Vous savez, Saint Paul a écrit des choses qui contredisent ce que dit Jésus clairement. Jésus a été crucifié, Saint Paul dit que Jésus a été circoncis, Saint Paul dit que la circoncision n'a plus d'importance. Vous savez, il y a énormément de contradictions là-dessus. Maintenant, vous avez dit que vous avez trois questions que vous avez posées au frère musulman, je ne sais pas qui c'était. Vous pouvez les poser, je vais essayer de répondre. Allô? Oui, juste un instant. Alors, tu faisais référence à la circoncision de Jésus. Je te fais remarquer simplement que Jésus est venu accomplir la loi. De ce fait, il était tout à fait normal qu'il se soumette à la loi, puisqu'il vient accomplir la loi. C'est pour ça qu'il vient dans la chair. Dieu qui vient dans la chair accomplir la loi. Lui, il est celui qui est parfait et qui a obéi jusqu'au bout. Et c'est-à-dire, c'est pour ces raisons-là qu'il est passé par là. Mais, disons, l'apôtre Paul va nous révéler, puisque lui-même a eu cette révélation du Seigneur, qui s'est révélée à lui. C'est-à-dire, ça a été le seul des apôtres qui a eu connaissance de la vérité par révélation. Ce n'est pas comme les autres disciples qui ont suivi Jésus, qui eux-mêmes ont eu un contact direct avec Jésus et qui ont appris au jour le jour, c'est-à-dire ils ont pu découvrir un peu ça, tout ce que Jésus leur montrait, tout ce qu'il a démontré comme exemple. Et l'apôtre Paul, lui, c'est différent, puisque lui a été de ceux qui s'opposaient clairement au message de Jésus, quelque part, on le sait, en tant que pharisien, zélé.
Et il a été transformé par l'intervention de Jésus lui-même, par une révélation puissante. Il a eu connaissance du message puisque lui-même a été élevé dans les cieux pour recevoir cette révélation d'une façon spirituelle. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Non, non, on n'est bien sûr pas d'accord là-dessus. Vous savez, Jésus est venu pour accomplir la loi. Il n'est pas venu pour contredire la loi, il est venu pour accomplir. Or, Saint Paul ici, il contredit ce que dit la loi. Vous voyez? Mais néanmoins, posez vos trois questions, ce sera, je pense, plus simple. Et en plus, là maintenant, ça fait je ne sais pas combien de temps qu'on discute. J'aimerais qu'on termine, j'aimerais répondre aux trois questions et puis essayer d'en terminer. Oui, bon, on pourrait parler de ce qu'il est. L'heure de la prière approche pour moi. Oui, d'accord, on va faire vite alors, oui. Ouais. Bah, écoute frère, vraiment, je ne sais pas si on pourra vraiment développer ces trois points, parce que là, on a eu l'occasion de le faire, je ne sais pas si c'est vraiment utile de le faire lors de ce débat, puisque les gens qui nous suivent, je pense qu'ils ont suivi le débat précédent, mais on peut aborder ces choses-là aussi en particulier. Mais je voudrais quand même te dire que la crédibilité de Paul peut se démontrer facilement aussi. Non, posez vos trois questions, ce sera plus simple. La crédibilité de Paul, on en reviendra une autre fois, mais posez votre... Oui, très bien. Alors bon, j'avais pas prévu ces choses-là, mais nous avons parlé dans un premier temps à savoir pourquoi Adam est devenu mortel. Pourquoi Adam est devenu mortel? Oui. Ça, c'est ça votre question? C'est ça la question. Moi, je sais pourquoi vous posez cette question. J'ai compris pourquoi vous posez cette question. Cette question... Oh, vous avez certainement eu l'occasion de d'écouter le débat, certainement, oui. Quel débat? Ce débat a eu lieu il y a quelques jours de cela. Malheureusement, je ne suis pas au courant du débat. Je ne vous suis pas sur Internet. C'est la première fois que j'entends cette question. Cette question ne m'a jamais été posée auparavant. Pourquoi Adam est mortel, c'est ça? Oui. Pourquoi Adam est devenu mortel? L'était pas au départ. Pourquoi Adam est devenu mortel? Je vais y répondre à ceci. Le Coran dit clairement... Dans le Coran, il est clairement dit « Kullu nafsin za'iqatul maut ». Chaque âme goûtera à la mort. Tout le monde goûtera à la mort. Alors pourquoi est-ce qu'on goûtera à la mort? Puisque Adam fut chassé du paradis, la seule manière de récupérer le paradis, de réaller au paradis, c'est par la mort. Il n'y a pas d'autre solution, c'est par la mort de pouvoir réaller au paradis. Ça, c'est la réponse. Très bien, merci frère. Et est-ce que Adam était il était prévu qu'Adam meure? Pardon? Est-ce que Adam était à l'origine, est-ce que Adam était mortel? À l'origine, est-ce que Adam était mortel? Oui. Bien sûr, parce que le Coran vous dit clairement. Maut. Je vous l'ai dit, chaque âme goûtera à la mort. Toute âme qui a été créée, même l'ange goûtera à la mort. L'ange de la mort goûtera à la mort. Les djinns goûteront à la mort. Tout le monde goûtera à la mort. Chaque âme goûtera à la mort. Non, c'est faux. Adam a été créé parfait. Il n'était pas mortel au départ, à l'origine. Adam n'était pas mortel. Qui vous dit ça? La Bible. Oh non, deux secondes s'il vous plaît. Vous savez... Laisse-moi rentrer juste dans le détail alors. Puisque tu dis non, alors on va voir ces choses-là. On va s'appuyer sur les textes, puisque le Coran doit reconnaître les textes, en particulier la Torah, et puis bien sûr par principe la Genèse. Et nous voyons que dans la Genèse, il est parlé de la création, quelque part l'homme qui est créé par le Seigneur. Et nous voyons là que Dieu lui dit, tu ne touches pas aux fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, quelque part, il lui montre cet arbre, il lui dit, cet arbre-là, tu ne touches pas. Sinon, tu mourras. D'ailleurs, ces paroles, c'est Satan lui-même, par le biais du serpent, là, qui est le serpent qui le dit clairement à Ève, il dit, non, vous n'allez pas mourir. C'est seulement, vous allez devenir des dieux. Vous allez être comme eux, vous allez comprendre. Et voilà ce qui est à l'origine du péché, c'est-à-dire en réalité, pourquoi Dieu leur dirait, si tu prends de cet arbre-là, tu vas mourir. Ça veut dire qu'avant, ils ne pouvaient pas mourir. Il n'était pas prévu qu'ils meurent. Ils ne pouvaient pas mourir puisque c'était la volonté de Dieu. Donc nous voyons clairement que Adam était immortel, éternel. Est-ce que nous sommes d'accord? Non, on n'est pas d'accord, bien sûr qu'on n'est pas d'accord. Vous savez, comme je vous ai dit, le Coran dit... Pourquoi? Laissez-moi répondre. Chaque âme goûtera à la mort. Donc, lorsque Adam a été créé, il était destiné à mourir. Chaque homme, lorsqu'il a été créé, était destiné à mourir. Tout le monde mourra. Vous voyez? Et lorsque vous dites, ici, vous avez mentionné un verset de la Bible, dans Genèse chapitre 2, dans lequel Dieu dit à Adam, tu ne mangeras pas des fruits de cet arbre, sinon le jour où tu mangeras, tu mourras. C'est exactement ce verset que je vous avais mentionné un peu plus tôt, dans lequel
qu'est-ce qui signifie. Donc ici, Dieu lui dit que tu mourras. Et lorsque j'ai demandé donc à mes frères chrétiens est-ce que Adam est mort, ils me disent que non. Il n'est pas mort physiquement, il est mort spirituellement puisqu'il a été chassé du paradis. Ça, c'est la réponse que les frères chrétiens m'ont apportée. Donc, comment est-ce que Satan a fait pour séduire? Comment est-ce que Satan les a fait pour séduire? Il les a dit, Dieu ne veut pas que vous mangez de ce fruit parce que si vous en mangez, vous deviendrez immortels. Ce qui prouve qu'à la base, ils étaient mortels. Non. Non, non, c'est faux. Adam est mort puisque Dieu lui a annoncé ces choses-là. Il lui a dit, si tu prends de ce fruit, tu vas mourir, il lui dit. Tu mourras, c'est-à-dire c'est un futur, c'est-à-dire tu vas mourir si tu prends ce fruit-là, tu mourras, c'est-à-dire c'est un futur. Donc on voit bien que Adam, effectivement, n'a pas survécu à ces choses-là dans le temps. Pourquoi il y a le temps même de Dieu? Pourquoi il y a le temps qui se déroule? Pourquoi les secondes, une après l'autre, elles passent? Effectivement, pour amener à ce que Dieu a déclaré. C'est-à-dire, là, Adam, dans le temps, est arrivé à ce que Dieu a dit. Au terme, Adam est mort. Alors qu'il n'était pas prévu qu'il meure, je le dis bien clairement, quand Dieu lui dit « tu mourras », ça veut dire « si tu ne le fais pas, tu vivras ». Mais si tu prends ce fruit-là, si tu touches de cet arbre-là, tu mourras. Mais si tu voilà, est-ce qu'on est clair? Oui, ouais, bien sûr qu'on est clair. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que Dieu ne savait pas qu'Adam mangerait de ce fruit alors que Dieu est omniscient? Répondez à cette question. Mais non, il est inutile de rentrer dans ce genre de débat puisque nous savons que Dieu a tout prévu. Nous savons. Regardez, vous voyez, quand vous répondez quand vous posez une question, j'y réponds. Mais lorsque moi je vous pose une question, vous dites non, ça ne sert à rien, vous inventez quelque chose et puis vous prenez une sortie d'autoroute et à chaque fois comme ça. Non. Répondez clairement à la question. Est-ce que Dieu savait que Adam allait manger de ce fruit, oui ou non? Frère, bien sûr que Dieu sait tout puisqu'il a préparé ce plan aussi pour quelque part ramener l'homme à lui. Donc voilà, Dieu savait que Adam allait manger. La crucifixion, et il se trouve qu'effectivement, Dieu le savait. C'est pour ça qu'il a prévu Jésus qui lui va revenir pour racheter ceux qui viendront par la foi, qui viendront et qui confesseront son nom. Là, nous voyons le plan de Dieu, quelque part, qui se définit clairement même dès le départ, puisque Dieu a connaissance de toutes ces choses. C'est une réalité spirituelle. Rien n'échappe à Dieu dès le départ. Dieu le savait que la désobéissance serait là, et d'ailleurs, même, il a permis quelque part ces choses-là. D'ailleurs, voilà, le serpent est là, mais Dieu a voulu que l'homme se soumette à lui, qu'il lui obéisse de lui-même, qu'il fasse ce choix de se soumettre à son Créateur. Oui, je suis d'accord. Vous voyez, cette question, il suffisait de répondre par oui ou par non. On a déjà perdu je ne sais pas combien de minutes, mais il suffisait de répondre par oui, Dieu le savait, ou bien non, Dieu ne le savait pas. Donc vous avez répondu que oui, Dieu le savait. Et comment est-ce que qu'est-ce que le serpent, le diable, a fait pour séduire Adam et Ève? Qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a dit, le jour où vous mangerez de ce fruit, vous deviendrez des dieux. En d'autres termes, vous deviendrez immortels, puisque Dieu est immortel. Mais que si vous mangez, il les a dit que vous ne mourrez pas. Ça, c'est clairement c'est la ruse qu'il a utilisée. C'est ça. Oui. Donc, Dieu savait que Adam allait mourir. Dieu a créé Adam pour mourir. Chaque âme goûtera à la mort. Adam a été créé comme ça. Alors, vous pouvez poser votre deuxième question. Comme ça, on répond. Puisque le temps de prière approche, je n'ai pas vraiment le temps de continuer. Oui. On va faire vite. Donc, bon, bien sûr, là, le diable a sollicité des choses qui sont dans l'homme. Hein. C'est-à-dire, voilà, il veut vivre libre. Il veut, quelque part, assumer ses responsabilités. D'ailleurs, on le voit dans le monde actuellement. C'est ce qui se développe de plus en plus. Hein, l'individualité, toutes ces choses-là. Mais peu importe. Je ne crois pas qu'on soit arriver à une réponse à ce niveau-là, puisque clairement, pour moi, Adam n'était pas mortel au départ. Nous pouvons le vérifier, Genèse, dans les premiers chapitres de Genèse. Voilà, la deuxième question, c'était pourquoi Dieu a donné la loi? Pourquoi Dieu a donné la loi? Ouais. Dieu, à travers le temps, a envoyé plusieurs révélations. Ouais. Dans le Coran, il est dit qu'à chaque temps, nous avons envoyé une révélation. Donc, à chaque temps, Dieu a envoyé différentes révélations. Dans le Coran, il y a quatre révélations qui sont mentionnées. Il y a Taurat, qui est la Torah, qui a été révélée sur Moïse, paix sur lui. Il y a les psaumes, qui a été révélé sur David, paix sur lui. Et il y a l'évangile, qui a été révélé sur Jésus, paix sur lui. Et le dernier des livres qui a été révélé, le Saint-Coran qui a été révélé sur le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Dieu a envoyé, à chaque moment, il a envoyé une révélation. Et pourquoi? Le Coran dit très bien, il dit « Alif, la, mora,
كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. Nous avons révélé un livre afin de faire sortir l'humanité des ténèbres à la lumière. Ça, c'est la raison. Et chaque livre qui a été révélé, c'était pour montrer le bon chemin et pour éviter aux gens d'aller vers le mauvais chemin et de suivre le chemin du péché. C'était pour leur montrer le bon chemin et pour, au final, avoir accès au paradis. Ça, c'est la réponse. Vous pouvez poser votre troisième question. Ben, pour moi, ce n'est pas la réponse, puisque Dieu a donné la loi pour mettre en évidence le péché, ce péché qui entrait dans le monde par la désobéissance d'Adam. Par la loi, Dieu met en évidence ce péché. Il nous montre le péché clairement. Pourquoi ? Pour un simple but dans la suite logique, et en montrant que nous sommes dans le péché, il veut nous montrer que nous sommes incapables de nous détourner du péché dans la condition qui est la nôtre. Et de ce fait, on revient clairement dans le plan que Dieu a préparé, le salut, par le sacrifice parfait de Christ. Attendez deux secondes, j'aimerais vous poser une question. Vous voyez, vous êtes en train de me poser des questions et puis vous répondez vous-même à vos questions. Quel est le but ? On est en train le but, il est, c'est que des gens nous écoutent et effectivement, je suis obligé d'apporter aussi la réponse. Je vous pose la question, mais nous sommes là à discuter ensemble, mais il y a des gens qui aimeraient savoir et qui aimeraient voir quelle est la réponse sur le plan chrétien. Okay. Les chrétiens, qu'est-ce qu'ils en pensent et ce qu'ils ont reçu ? Ok, ça va, il n'y a pas de souci. Mais vous apportez votre réponse, moi je vous ai donné la réponse et je pense que ma réponse est correcte. Donc à chaque fois dire non, c'est faux, ce n'est pas une manière de répondre. Vous voyez, ma réponse est correcte. Vous avez dit que Dieu a envoyé la Torah, la loi, seulement pour montrer le péché. À quoi ça sert de montrer seulement le péché ? Vous voyez, à partir du moment où vous avez une conscience, vous-même vous savez que ceci est un péché, à partir du moment où vous tuez quelqu'un, vous avez conscience que ceci est un péché. Vous n'avez pas besoin que Dieu vous dise que ceci est un péché pour que vous compreniez. Vous voyez, Dieu n'a pas envoyé seulement la loi pour vous montrer que ceci est un péché, c'est inutile. À ce moment-là, pourquoi avoir fait souffrir des prophètes ? Vous savez, des millions de prophètes, pas des millions, j'exagère, mais des prophètes qui sont venus, des milliers de prophètes qui sont venus, ont souffert pour montrer seulement le péché ? Quel est le but ? Vous voyez, ça c'est de la rigolade, on ne peut pas admettre ceci. Vous voyez, alors posez votre troisième question, comme ça on répond à la troisième et on termine parce que vraiment là, il commence à faire tard. Les prophètes sont venus pour indiquer la volonté de Dieu et quelque part amener des indications de Dieu à un certain moment, et non pas pour amener la loi dans ce sens-là, puisque la loi a été donnée une fois pour toutes, et la loi, nous la connaissons, et c'est pour donner, la loi était pédagogue dans ce sens-là, mais c'est surtout pour mettre aussi, et dans ce sens-là, de mettre en évidence le péché. Et ça, c'est clair, puisque ça rejoint pleinement le plan de Dieu dans ce sens-là, concernant le salut. Mais bon, ça c'est. Je dis pas que, frère, d'ailleurs, tu m'excuses si tu as cru ces choses-là, je dis pas que c'est faux ce que tu dis, mais je dis que non, c'est pour moi, c'est pas ça. Je te pose une question, j'ai une réponse aussi. Allez-y, posez votre troisième question, comme ça on en termine. Oui, troisième question, c'était pourquoi Dieu a créé la condition humaine ? Pourquoi de chair, des hommes de chair ? Pourquoi Dieu a créé l'homme ou bien pourquoi Dieu a créé l'homme de chair ? L'homme de chair, c'est-à-dire dans cette condition, pourquoi nous ne sommes pas comme des anges spirituels, simplement des êtres spirituels, pourquoi nous sommes dans cette condition enfermés quelque part dans la chair. Nous sommes des êtres spirituels intérieurement et qui sont enfermés dans un corps de chair. Ouais, très bonne question. Je vais y répondre deux secondes, s'il vous plaît. Je vais y répondre. Très bonne question. Pourquoi Dieu a créé l'homme de chair et non pas d'un esprit comme les anges et tout le reste ? Vous voyez, cette question peut être facilement répondue. Le Coran dit clairement dans Sourate At-Tin, chapitre 95, verset numéro 4, il dit « Laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim » Il a créé l'homme de la meilleure des formes. Dieu nous a créé de la meilleure des manières. Donc nous sommes créés de la meilleure des manières. Il a créé les anges. Il a créé les hommes et nous sommes créés de la meilleure des manières. Si Dieu a vu bon qu'il était bon pour nous de nous créer de chair, alors c'était la meilleure des solutions et nous a créé de chair. Vous voyez, c'est comme si je vous demande pourquoi est-ce que Dieu a créé la terre ronde et non pas carrée. Vous voyez, ça c'est une question. Dieu a vu que c'était la meilleure manière de créer la terre ronde. Dieu a vu que la meilleure manière de créer la terre était ronde et il l'a fait ronde. C'est simple, la réponse est toute simple. C'est bien, frère, je veux te remercier parce que là, tu confirmes simplement ce que je dis, c'est-à-dire que Dieu nous a créés parfaits. C'est-à-dire, voilà pourquoi Adam n'était pas mortel, tu l'as dit toi-même,
effectivement, nous sommes créés parfaits à l'origine. Ça, c'est une réalité. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais ça n'explique pas pourquoi je ne te demande pas la forme. La forme, nous sommes faits à l'image de Dieu. La Bible nous enseigne ces choses-là. Mais pourquoi cette nature humaine, la chair même, pourquoi ne pas avoir fait des êtres spirituels simplement comme des anges, dépourvus de corps de chair? Pourquoi le corps de chair? Voyez, je vous ai donné une seule réponse. Vous avez décomposé ma réponse en deux parties. Je vous ai dit, Dieu nous a créés parfaits. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Il nous a créés parfaits. Et si Dieu a vu bon qu'il était bon pour nous de nous créer de chair, il nous a fait de la meilleure manière. Maintenant, je ne suis pas un scientifique pour vous dire que la chair est bien pour ceci ou bon pour cela. Je vous dis que Dieu nous a créés de la meilleure des manières. Je n'ai pas des connaissances de la science pour vous dire que voilà, la chair a ça comme bénéfice ou ça comme bénéfice. Mais... je vous le dis, Dieu nous a créés parfaits et il a jugé bon qu'il était bon pour nous de nous créer de chair. C'est pour ça qu'il nous a donné la chair. Vous voyez, comme il a vu bon de faire la terre ronde, il a fait la terre ronde et non pas carrée. Ça, c'est la réponse que je vous ai donnée. Ne décomposez pas ma réponse en deux parties. Je vous ai donné une réponse en une seule partie. Voilà, donc j'espère qu'on va terminer puisque là maintenant il commence à faire vraiment tard. Ben, j'aimerais juste ajouter cette chose, puisque Dieu nous a fait parfaits. Si nous sommes parfaits, nous ne péchons pas. Et pourquoi alors d'où vient le péché? Ça veut dire, il est évident, là, clair, que nous avons été créés parfaits et le péché, par la désobéissance, nous a atteints. Et de ce fait, aujourd'hui, est-ce que nous sommes considérés parfaits, frère? Pardon? Est-ce que nous sommes considérés parfaits aujourd'hui? Oui, puisque Dieu vous dit clairement que « لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ » Il a créé l'homme de la meilleure des manières, de la meilleure forme. Donc on est parfait. C'est en parlant à l'origine. À l'origine, nous sommes parfaits, effectivement. Mais je te le dis clairement, frère, il se trouve que le péché, en entrant par la désobéissance, a atteint l'homme dans la chair même, et c'est par la chair que la puissance du péché se révèle. Et voilà ce qui confirme encore une fois le plan parfait de Dieu par le sacrifice en Jésus-Christ. Par Jésus-Christ, nous accédons au salut, puisque c'est lui qui va dominer la mort. Pourquoi la mort? Parce que la mort, ça représente la mort du corps. Mais l'esprit est sauvé, puisque le but de Dieu est de sauver notre âme, notre esprit, qui à un moment donné sont unis, et on se retrouve auprès de lui. Voilà pourquoi. Vaincre la chair, c'est-à-dire Jésus a été le seul qui pouvait vaincre le péché, puisqu'il a été parfait jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Voilà. Donc selon vous, la chair, c'est elle qui fait le péché. C'est pas elle qui fait le péché, mais le diable, par la chair, sollicite la chair. C'est-à-dire que lorsque nous avons faim, c'est quelque chose qui vient de la chair. Lorsque nous avons une tendance d'aller dans un certain sens, c'est quelque chose qui est motivé par la chair. Avoir faim, est-ce que c'est un péché? Non, je parle là de ce qui est quelque part les désirs de la chair. Est-ce que la chair a seulement les désirs de manger? Frère, tu le sais toi-même qu'il y a des choses qui peuvent dériver facilement, que ce soit, on pourrait énumérer plusieurs choses qui sont quelque part liées à la chair directement, des désirs de la chair. Lorsque nous regardons une femme, lorsque nous convoitons des choses, nous voulons voler, tout ça c'est motivé par la chair, non pas par l'esprit, hein. Entendons-le bien, c'est clair. Non, vous voyez, c'est clair. Frère, allez. Si quelqu'un vole une voiture, tu crois que c'est motivé par quoi? Non. Par son esprit? Oui, bien sûr que c'est par son esprit, ce n'est pas par sa chair. Qu'est-ce que sa chair a fait? C'est par son esprit. Non, vous voyez, c'est l'homme dans sa condition. L'esprit, l'esprit n'a pas besoin de conduire une voiture. C'est la chair qui veut ces choses-là. Non, s'il vous plaît, laissez-moi y répondre. Vous voyez, je vais prendre un exemple. Par exemple, on va prendre l'exemple d'une personne qui tue. Une personne qui a tué. Est-ce que tuer est un péché? Bien sûr. Bien sûr, tuer est un péché. Mais est-ce que c'est sa chair qui lui a dit de tuer? Non, ce n'est pas sa chair. Vous voyez, c'est l'environnement. Frère, est-ce que c'est sa chair qui lui a dit de tuer? Certainement. Si quelqu'un tue, il est conditionné par des mobiles qui, à l'origine, prennent leur source dans la chair. Non, pas dans la chair. Il faut pas exagérer, vous voyez. Pas dans la chair, c'est dans l'environnement dans lequel il grandit. Vous voyez, on va prendre un autre exemple, comme ça facilite, parce que cet exemple n'était pas parfait. On va prendre un exemple qui sera meilleur. Donc, par exemple, une personne qui commet la fornication, l'adultère.
Est-ce que commettre l'adultère est un péché? Tout à fait. Tout à fait, commettre l'adultère est un péché. Mais est-ce que c'est sa chair qui lui incite à faire l'adultère? Non, vous voyez, ce n'est pas sa chair. Laissez-moi continuer, ne m'interrompez pas, s'il vous plaît. Donc, qu'est-ce qui lui incite à commettre l'adultère? C'est l'environnement dans lequel il grandit. Vous pouvez aller demander au psychologue, ça c'est un minimum que je connais, c'est l'environnement dans lequel il grandit. Vous voyez, vous grandissez ici dans un environnement où à chaque fois vous voyez des femmes en mini-jupe, et c'est ça vous attire, vous voyez. Même si vous êtes un vieux de 85 ans, ça va vous attirer. Voir des femmes en mini-jupe, ça va vous attirer. C'est l'environnement dans lequel vous grandissez. Par exemple, vous, maintenant, vous pouvez allumer la télé. Il y a plus de chaînes pornographiques qui existent que d'autres, de chaînes religieuses. Il y a plus de chaînes pornographiques qui existent que de chaînes religieuses. Si vous regardez tous les jours des chaînes pornographiques, c'est normal qu'à un moment, vous serez attiré par commettre la fornication et par faire l'adultère, par commettre l'adultère. Mais votre chair n'a rien à voir là-dedans. S'il vous plaît, on ne va pas exagérer. J'aimerais terminer en citant un verset du Saint-Coran, de Surat Al-Imran, chapitre 3, verset 54, dans lequel il dit « وَمَكَرُوا مَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ » Et ils se mettent à comploter, Dieu fait échouer leur complot, et Allah est le meilleur en complot. Frère, d'accord, mais de la façon dont tu parles de l'homme et de ce qui est du regard sur les femmes pour un homme, on dirait que les hommes sont dépourvus de sexe, ce qui clairement est faux, puisque nous savons que l'homme est conditionné quelque part par tout un système intérieur qui est du point de vue de la chair qui vient aussi. Là, on pourrait parler sur le plan médical et expliquer des choses qui sont là par rapport aux hormones, par rapport à toutes ces choses-là. On pourrait expliquer que ces choses-là sont provoquées clairement par la chair, ça vient de la chair. Le fait de vouloir et de convoiter une femme, même c'est l'adultère, toutes ces choses-là, proviennent, prennent leur origine par rapport à la chair. C'est le physique, c'est ce qui est de la chair qui veut s'exprimer. C'est pas quelque chose de spirituel, c'est pas une pensée qui veut s'exprimer. La pensée qui veut s'exprimer n'a pas besoin de s'exprimer dans le corps, par le corps, mais nous sommes là ensemble, nous discutons, nous échangeons des pensées. Là, nous n'avons rien, pas besoin forcément de la chair. C'est pour ça que j'ai trouvé même inutile de me montrer à une caméra. C'est-à-dire, voilà, c'est pour ça que tu entends ma voix et nous discutons simplement sur cette base-là. Ça va. Moi, je n'ai plus envie de perdre le temps parce que vraiment l'heure de la prière approche. Et très malheureusement, cool. Je vois que chaque point que vous mentionnez, chaque question que moi je mentionne, vous réfutez, vous ne voulez même pas m'écouter, vous m'interrompez à chaque fois. Et à chaque fois, moi, je vous laisse le temps de répondre, je vous écoute. Et à la fin, je vous avance un argument, mais vous n'acceptez pas. Donc, je pense que c'est mieux qu'on s'arrête ici. Et comme j'ai dit, وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلْ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. Moi, j'accepte tout à fait vos propos, il n'y a aucun problème. J'accepte ce que vous me dites, je n'ai jamais refusé d'écouter. Comme vous dites, il me semble que nous avons été quelque part clairs là-dessus. On s'écoute, on partage. J'étais dans cette perspective-là jusqu'au bout et je ne vois pas pourquoi maintenant tenir des propos comme ça. Non, moi je vous remercie parce que je trouvais cette discussion très intéressante et quelque chose de constructif. Pour moi, ça a été positif. Maintenant, je ne vois pas rien de forcément, bon, c'est une discussion, peut-être si j'ai exagéré d'une certaine façon, je vous demande de me pardonner, bien entendu. Non, ne vous en faites pas, moi je suis ouvert à toute proposition, vous pouvez attaquer l'islam, vous pouvez faire ce que vous voulez, ah non. Pas de problème, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous êtes libre, l'homme a été créé libre, il n'y a pas de contrainte en religion comme le Coran le dit, il n'y a pas de contrainte en religion, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous êtes libre de dire ce que vous voulez, Dans une discussion, le mot-clé, c'est le respect mutuel. Et donc, j'aurais voulu avoir un peu plus de possibilités d'avoir le temps de discuter et non pas à chaque fois intervenir dans la discussion. Mais néanmoins, je vous remercie parce que la discussion était très enrichissante. J'ai appris énormément de choses grâce à vous. Et je vous remercie, vous et le frère Gobamé, qui malheureusement nous a quittés. Et donc, on va se quitter là-dessus. Très bien, je vous remercie en tout cas, oui, c'était très intéressant. Si vous n'avez pas eu le temps de vous exprimer, on aura encore d'autres occasions, je vous l'accepterai, il n'y a aucun problème. Merci, à bientôt. Au revoir.